L'enregistrement est lancé. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau cours de japonais. J'espère que vous allez bien en compagnie de plein de personnes qui sont en forme pour apprendre le japonais. Alors le cours d'aujourd'hui va être très intéressant selon Julien puisqu'il n'y aura pas de choses à apprendre par cœur mais juste de la compréhension. Et à partir du moment où tu comprends la logique, tu assimiles très facilement le cours. On va apparemment apprendre les couleurs, on va apprendre pourquoi les noms de japonais, comment ça marche au Japon. On va faire des analyses poussées sur les kanji. Bref, le cours d'aujourd'hui est à la portée de tous. Restez, regardez jusqu'à la fin, ça risque de vous apprendre plein de choses et peut-être qu'un jour ou l'autre vous parlerez japonais et vous vous direz mais oui, il était là le meilleur cours de japonais de Farod et de Julien Fontané, c'était ce jour-là, c'était le numéro 6, je crois qu'on est au cours numéro 6, je veux pas dire de bêtises. Bref, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez fait vos exercices, que vous avez bien appris. Alors je regarde mon petit cahier Animal Crossing, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière déjà, petit rappel, combinaison on l'avait fait ça, les nouvelles combinaisons on l'avait fait, ouais, les nouvelles combinaisons, donc maintenant on sait dire les sons. Fa, fi, fou, fé, fo, va, vi, vous, ve, vo, wa, oui, ou, we, wo, tsa, tsi, tsu, tse, tso, si, zi, diu, tiu, kn, kuo, ti, di, tu, et du. Et on a l'étude des kanji, en mode les kanji, l'écriture japonaise, l'écriture sino-japonaise. La première c'est écrit en hiragana, la deuxième c'est écrit en katakana. Et comment on utilise et comment on les lit. Mais bref, vous avez tout le cours de la semaine dernière qui est très bien expliqué. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en bonne santé et bien confinés. Nous partons pour l'analyse poussée des kanji par Julien Fontanier. Nous sommes partis. Je me rappelle qu'il faut monter le son de Julien fort et le mien je dois le baisser, si je me rappelle bien. Voilà, let's go! On rafraîchit. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Pensez à bien augmenter... Ouah, mon micro est trop fort. Pensez à bien augmenter le son de votre appareil, surtout, sinon vous n'entendrez pas Julien du coup. Allez-y, n'hésitez pas. Bien! Voilà, bien, nous avons parfait. Vu les lectures purement sino-japonaises des kanji, nous avons vu les trois règles qui permettent d'utiliser tout ça, nous avons créé... nos premiers mots en kanji. Oui. Maintenant, j'aimerais qu'on passe ensemble à une analyse poussée des kanji. Alors, tout ce que l'on va voir là n'est pas indispensable. Hein, ça va. On va rien apprendre. On va pas apprendre de règles de construction, mais en fait, on va analyser tout ce qu'on vient de voir depuis le début, hein, les kanas, etc., etc. Cool. Depuis on va tout au début des cours et on va comprendre plein de trucs. Donc, même si on va rien apprendre, on va comprendre énormément de choses. Donc, je pense que c'est une leçon importante. Il est beau, Julien. Mérite toute votre attention. Ok, on est prêt. Bon, alors, vas-y, professeur. Je vais déjà commencer par... il y a quatre règles. Faire remarquer quelque chose, une petite différence qu'on va avoir de prononciation entre les lectures purement japonaises et lectures sino-japonaises. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je vais reprendre les kanji qu'on a vus dans le cours précédent, c'est pour ça que j'ai deux feuilles, hein, tout va bien, pas de soucis, ça va pas durer une heure. Et puis je vais vous lire d'abord toutes les lectures purement japonaise, et ensuite toutes les lectures sino-japonaises. Alors, tendez bien l'oreille, j'aimerais que vous remarquiez quelque chose, une différence qu'on a entre des lectures purement japonaises et lectures sino-japonaises. Écoutez bien, je commence par la lecture purement japonaise. Kita, Minami, Higashi, Nishi, Hi, Miyako, Kuni, Moto, Naka. C'est quoi, c'est le fait que ce soit court peut-être ? Pas de souci. Je passe maintenant aux lectures sino-japonaises. Hoku, nan, to, se, nichi, kyo, koku, hon, chu. Il y a des pauses et des rallongements. Est-ce que vous remarquez qu'on a quand même une différence notable entre toutes les lectures purement japonaises et toutes les lectures sino-japonaises ? Alors, je vais vous aider. Vous m'entendez pas ? Déjà, première chose, on remarque que les lectures sino-japonaises, c'est très souvent, voilà, je l'ai déjà dit, deux syllabes katakanisées, bien sûr. Les idéogrammes chinois de base sont monosyllabes, mais katakanisées, ça rend deux syllabes. D'accord ? On va avoir, souvent, on le remarque, des allongements. To, se, kyo. C'est ça, des allongements, ouais. Okay. Et puis on va aussi avoir souvent des combinaisons. Hein. On a kyo, tu, etc. On en a très très souvent. Alors de l'autre côté, on n'en a pas du tout. C'est plus facile. Les lectures purement japonaises, si on regarde bien, on peut avoir une, deux, trois, parfois quatre syllabes. Et puis, ce sont simplement des kanas de base. On n'a jamais de combinaison, on n'a jamais d'allongement.
Regardez, on a Kita, Minami, voilà, ça doit Higashi, être bon, là. Nishi. Voilà, on a, alors de temps en temps, on a un accent, hein, dans le Higashi, le ga. On a vu que le ga n'est pas dépendant du ka, hein, c'est bien une syllabe à part. On a des kana de base, des hiragana de base. Kita, Minami, Miyako, Kuni, Moto, Naka. Alors, on n'a pas de combinaison, on n'a pas d'allongement, tout ça, ça n'existe pas. Alors, pourquoi ? Tant mieux, c'est plus simple. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion ? Eh bien, c'est très simple. Les allongements et les combinaisons n'existent pas de base dans la langue japonaise. Ah ben, j'aurais aimé que ça n'existe pas du tout. Ça n'existe pas en purement japonais. Quand on a fait le cours sur les katakana, on a vu les nouvelles combinaisons. Ces nouvelles combinaisons, on s'en est servi pour écrire ces langues étrangères, l'anglais, le français, l'allemand, dont les phonétiques n'existaient pas en japonais. Mais les toutes premières combinaisons que les japonais ont créées, c'était pas pour écrire leur propre langue, c'était pour écrire la première langue étrangère qu'ils ont eu à katakaniser, le chinois. Et les allongements, c'est pareil. En japonais, de base, il n'y a pas d'allongement. Les allongements ont également été créés, cette idée d'allongement, hein, pour katakaniser au mieux les phonétiques des idéogrammes chinois. Et c'est très important de bien comprendre ça. Donc on regarde bien sur les lectures sino-japonaises, on a des combinaisons kyo, tsu, et puis on a aussi voilà, donc des allongements to, se, encore une fois, kyo, tu, etc., etc. Bon, là, avec 9 kanji, on n'a pas énormément d'exemples, mais c'est quelque chose qui arrive très, très, très fréquemment. Ok. Du coup, ce que j'aimerais que vous soyez capable de faire, c'est juste en entendant un mot, j'aimerais que vous soyez capable de reconnaître s'il s'agit d'un mot purement ou sino-japonais. Alors, à l'écrit, c'est très facile de les reconnaître, parce que oui. Un kanji, c'est purement jap. Oui. Deux kanji ou plus, c'est sino-jap. Mais à l'oral, c'est également possible. Hein, je viens de vous dire qu'en purement jap, on avait juste des hiragana de base, des syllabes, mises les unes à côté des autres. Mm-hmm. Et en sino-japonais, on a très souvent des allongements, des combinaisons, etc., etc. Alors, je vais vous dire une petite liste de mots. Oh, il y a un raid. J'aimerais Merci, que vous DJ Tali. De, dans votre tête, de dire, ça ressemble plutôt à quelque chose de purement japonais. Ça ressemble plutôt à quelque chose de sino-japonais, Vas-y, etc., je suis prêt. Etc. Vas-y, Julien, je suis prêt. On commence. Si je vous dis « karada ». Ah, j'aurais dit purement japonais. Karada, c'est purement japonais. Ouais, c'est karada, tac, tac, tac. Ça veut dire le corps. Bah, je suis si chaud. Je vous dis maintenant, bioin. Non, ça c'est sino-japonais. Il y a bioin. Eu un bio, ça se prolonge de ouf. Ça c'est carrément sino-japonais. On a la combinaison bio qui est allongée, bio. Puis à la fin, on a le in. Alors, avoir un n comme ça tout seul à la fin d'un mot, c'est très 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 rare en purement japonais. Donc, ça encore une fois, c'est quelque chose. Hein, de très très sino-japonais. Hein. Dans le kanji, par exemple, du sud, on l'avait nan. C'est quelque chose de très, 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 très nan, sino-japonais. Donc nan, voilà, c'est bio-in, vrai. C'est à 100% sino-japonais. Ça veut dire un hôpital. Si je vous dis maintenant, kaminari. Kaminari, c'est purement japonais. Bon, là, pas de souci, c'est purement japonais. Hein. Un seul kanji, ça veut dire la foudre, kaminari. Kaminari, c'est la foudre. Comme si dans je vous dis maintenant, su-tsu. Ça, c'est sino-japonais. Bah là, c'est carrément sino-japonais. On a deux combinaisons, su et tsu, et puis à chaque fois allongé. Su, tsu. Ça veut dire la concentration. Allez, encore un. Chikyu. Sino-japonais. Encore une fois, on est sur quelque chose de très sino-japonais. Chi. Bon, ça, on peut pas savoir, mais après, kyu. Ouais, on a la combinaison qui est en plus allongée. Chikyu. Ça veut dire la Terre, la planète Terre. Un dernier. Si je vous dis hidari. 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 Ah oui, purement japonais. Hidari. Ouais, c'est purement en japonais. En fait, c'est le c'est hi japonais. Qui m'a. Hidari, ça veut dire gauche, H-I. Tout simplement. Hidari. Donc, voilà, vous devriez être capable, rien qu'en entendant un mot, de reconnaître s'il est plutôt purement japonais, sino-japonais. Et ça va être hyper important parce que ça vous permettra déjà de savoir si ce mot s'écrira avec un. Ou plusieurs kanji, de savoir comment est-ce qu'il va se créer, est-ce que là on a une lecture sino-japonaise, etc. Et c'est une analyse, alors qui n'est pas obligatoire. Hein. Tout ce dont je vous parle là, il y a plein, c'est très très peu enseigné, ces analyses poussées des kanji. Il y a plein d'écoles, notamment moi, l'université dans laquelle j'ai appris le japonais, ça, on nous en a jamais parlé. Hein. J'ai dû faire des recherches pour me rendre compte de tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose d'important, parce qu'une fois qu'on se rend compte de ça, mais tout est simplifié. Ça aide énormément. Bon, alors d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a énormément d'enseignements du japonais qui n'enseignent pas la différence entre une lecture purement et sino-japonaise. Il y a énormément d'enseignements du japonais, en France, de partout, qui écrit tout en hiragana. La lecture
On verra ça un peu plus en détail tout à l'heure, hein, mais les lectures purement japonaises, signes japonaises, tout en hiragana, on se pose pas de questions, ça, c'est beaucoup plus facile, hein, ça fait des cours en moins, ça complique moins, mais au final, on est perdu, enfin, on sait jamais quand il faut utiliser telle lecture, si on fait pas la distinction entre les deux, comment on sait si on utilise bah, kita, hoku, etc. pour le nord, par exemple. Non, non, c'est très important, c'est un peu compliqué de bien comprendre comment tout ça, ça s'organise, d'où ça vient, mais une fois que c'est compris, tout est ultra simplifié, vous verrez que une fois que vous avez compris tout ça, les kanji, mais ça va être une partie de plaisir jusqu'à la nuit des temps. Vous verrez, ah bah super, ce sera... parfait. Je vous l'assure, je vous l'assure. Bon, allez, on continue. Parfait, donc on est tranquille. Hein. Donc voilà, hidari, gauche, etc., etc. Donc reconnaissez bien, rien qu'à l'oral, une lecture, un mot purement japonais ou un mot sino-japonais, encore une fois, c'est très important. Alors, règle numéro 2. Maintenant, je vous explique pourquoi est-ce que tous ces allongements, tous ces allongements que j'écris en katakana, pourquoi je les écris avec les règles que je vous ai enseignées bah, sur les hiragana. Hein, je vous ai bien expliqué que les katakana, de base, ça s'allonge avec un tiret d'allongement. Ici, bah, je ne le fais pas. Pourquoi ? On y vient enfin. Quand j'écris une phrase en japonais, par exemple, kaminari no otoda, c'est le bruit d'un éclair. Bon. Ici, j'ai deux kanji, à chaque fois qu'ils sont tout seuls, ce sont des lectures purement japonaises. Je peux mettre la lecture au-dessus. Kaminari no otoda. Si jamais je ne sais pas écrire ces kanji, je peux écrire ma phrase en remplaçant les mots en kanji par les hiragana. C'est possible. Hein. Les enfants ne connaissent pas tous les kanji au Japon. D'accord. Du coup, quand ils ne connaissent pas le kanji d'un mot, bah, ils l'écrivent en hiragana. Ils ne le connaissent pas visuellement. Ce que vous ferez également lorsque vous mais ne connaissez connaissent pas le kanji d'un mot. C'est normal. C'est donc j'écrirai ça. Kaminari no otoda. Voilà. J'écris juste kaminari en hiragana. On va dire que je ne connais pas le kanji. Oto, je le connais. C'est comme des maths quand tu remplaces un X par un numéro, en fait. Ça et garde puis, la valeur, quoi. C'est si pareil. Jamais... je veux écrire une nouvelle phrase, par exemple, Bakuhatsu no otoda. C'est le bruit d'une explosion. Donc c'est le début, l'explosion. Ça... Alors, ici, Bakuhatsu, Baku. Ça se voit comme dans My Hero Academia, et puis ça s'entend, Bakuhatsu. Alors, Bakuhatsu, ça pourrait être purement japonais, on n'a pas d'allongement, on n'a pas de combinaison, mais Bakuhatsu, ce sont des sons très, très sino-japonais. Alors ça... Pour l'instant, ça ne vous parle peut-être pas encore, mais au fil des kanji, plus vous en verrez, plus vous direz « Ah bah oui, ça sonne tellement sino-japonais. » Oui, c'est un personnage qui contrôle les explosions. Ça viendra. C'est comme nous, quand on entend, par exemple, « Maximum », on se dit « Ah mais ça sonne tellement latin. » Enfin, « Maximum »,« Maximum »,« Minimum », ouais, ça sonne latin. Hein, sans être étymologue, vous arrivez à voir que c'est latin. C'est vrai. Ici, c'est pareil, on arrivera à voir ce qui sonne sino-japonais. Bon. Si jamais cette phrase, je ne sais pas écrire les kanji de « Explosion »,« Bakuhatsu », du coup, je vais l'écrire en kana. Mais est-ce que je vais l'écrire en katakana ou en hiragana? Bon, logiquement, vous me répondriez, on va l'écrire en katakana, c'est de la lecture sino-japonaise. Mais non! Non, et c'est là qu'est toute la nuance. Dans ma phrase, je vais l'écrire en hiragana. Écoutez bien, c'est important. À la base, les lectures sino-japonaises, on les écrit en katakana, parce qu'il s'agit de sons étrangers katakanisés. Les lectures purement japonaises, on les écrit en hiragana parce qu'il s'agit de quelque chose de purement japonais. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est tout du japonais, c'est la langue japonaise, d'accord ? En comparaison avec actuellement les mots anglais, les mots français, etc., etc., qui, eux, sont katakanisés. Aujourd'hui, les katakanas sont réservés aux mots, ce qu'on va dire vraiment étrangers, hein, les mots de l'Occident, l'anglais par exemple. Les lectures sino-japonaises, ça fait des centaines d'années qu'elles sont là. Donc aujourd'hui, tout ça, on le considère comme du japonais. Du coup, dans une phrase, on va l'écrire en hiragana. Bakuhatsu no otoda. On est d'accord que nous, maximum, etc., tout ça, c'est un mot qui vient du latin, etc., on a plein de mots de racine latine, mais aujourd'hui, tout ça, c'est du français. Maximum, aujourd'hui, c'est un mot français, c'est pas un mot latin, dans notre contexte, on est d'accord. Donc ici, ça va être pareil, mon mot, je l'écris bien en hiragana, parce que, bah, aujourd'hui, bakuhatsu, même si de base, c'est un mot qui vient de l'étranger, du chinois, bah, aujourd'hui, voilà, c'est du japonais. Donc, dans ma phrase, je l'écrirai en hiragana. Quand je vous donne des mots de vocabulaire, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, quand je vous donne un kanji avec les lectures, là, j'utilise bien la différenciation purement japonaise hiragana, sino-japonaise katakana, pour bien que vous ayez
visuellement, ok, ça c'est du purement jap, ça c'est du sino-jap. Ouais, pour Si je l'instant, c'est crée un plutôt mot qui simple, serait ouais. plutôt ça, c'est du sino-jap, etc., Mais il etc. faut le Ça savoir. permet de bien analyser le mot de vocabulaire, le kanji que je vous donne. Mais dans une phrase, si jamais vous ne savez pas l'écriture en kanji d'un mot sino-japonais, vous l'écrivez en hiragana. C'est ce que font les Japonais, d'accord? Et du coup, comme pour tout à l'heure, si jamais ces kanji, bon, on veut indiquer la lecture, juste au-dessus, bakuhatsu, on l'écrit pareil en hiragana. Alors, ça se fait beaucoup d'écrire comme ça la lecture des kanji au-dessus des kanji, hein. Imaginez, vous Ah avez oui. un texte qui est écrit en kanji. Bon, et en kana, bien sûr. Et puis, bah, on a des kanji compliqués. On imagine que tout le monde ne les connaît pas. Du coup, bah, si vous êtes là à voir des kanji mais que vous ne savez pas comment les C'est lire, vous fou ne ça. comprenez pas le mot. Cette idée que des Du Japonais ne moins, vous connaissent ne pas savez pas le certains lire, le prononcer. kanji, c'est Du coup, rigolo. ce qui se fait beaucoup en japonais, c'est d'écrire comme ça la lecture au-dessus des mots en kanji, que ce soit bien autant purement jap qu'en sino-japonais. Ça s'appelle les furigana. Ça s'appelle Les les furigana, comme ça, d'écrire la furigana. lecture. Ça permet bah, notamment aux enfants, qui connaissent pas forcément tous les kanji et toute leur lecture, bah, de pouvoir lire et du coup bah, de découvrir ces lectures, de les apprendre. C'est quelque chose qui est très important dans la démarche de l'apprentissage. Je vous prends par exemple mon manga Dragon Ball. Bon, Yes, Dragon Ball, je vous montre. vas-y. Alors ici, j'ai une phrase. J'ai une phrase. Hein. Soshite yoyo hajimatta, etc. Alors ici, j'ai hajimatta, qui veut Ah dire oui, ça a c'est écrit à commencé. Bon. côté, c'est vrai. Mon kanji, j'ai bien écrit haji en hiragana. Ça, c'est une lecture purement japonaise. Et puis ici, j'ai un mot avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanji. C'est un mot sino-japonais. Ça se lit Tenkaichi Budokai. Ça veut dire le championnat du monde des arts martiaux. Budokai, ouais. Ici, même s'il s'agit d'une lecture sino-japonaise, c'est bien écrit en hiragana. C'est bien ce que je vous dis. Les furigana, qui indiquent la lecture, c'est un mot sino-japonais, mais aujourd'hui, comme c'est du japonais, ça s'écrit en hiragana. Vous comprenez bien. C'est Bon. trop bien. Et du coup, on s'y retrouve. C'est pour ça que les allongements et les combinaisons, je vous les ai enseignés dans le cours des hiragana. Parce que même si de base, ça n'existe pas en purement japonais, même si de base, ça ne devrait pas exister en hiragana, ces allongements et ces combinaisons qu'on utilise pour le sino-japonais, comme dans des phrases, on va les utiliser en hiragana, je vous ai bien enseigné ça dans le cours des hiragana. Pour bien les différencier des nouvelles combinaisons et des allongements propres à la catéchisation des mots vraiment étrangers, par exemple l'anglais, le français, etc. Là, on a des allongements un petit peu différents qu'on fera avec un trait d'union, ça permet de bien un tiret d'allongement, ça permet de bien dire, bah oui, ça c'est pas du sino-japonais, c'est vraiment du très 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 étranger, c'est de l'occidental. Et puis on a donc ces nouvelles combinaisons, encore une fois, on les voit, hein, le principe est différent. Là, ouais, d'accord, c'est vraiment, c'est autre chose, c'est pas du sino-japonais. Certes, c'est de l'étranger ou purement jap, mais c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà pourquoi, quand je vous écris un mot en, par exemple, le kanji de la capitale, Miyako, je vous écris bien la lecture sino-japonaise en katakana, Kyo, avec l'allongement, comme si c'était du hiragana. Mais dans une phrase, Tokyo, par exemple, Tokyo ni iru, je suis à Tokyo. J'écris bien Tokyo si je ne connais pas les kanji en hiragana. C'est un peu l'embrouille tout ça, j'espère avoir été bien clair, mais une fois que c'est bien compris, je Un vous assure peu. que c'est très 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 important de bien faire la différence entre du purement japonais, du sino-japonais, de bien savoir manier habilement les hiragana, les katakana, et puis dans des phrases, ça va être tout en hiragana. Faudra bien que je le Je le revoie redis ce encore une fois, il y a cours une beaucoup deuxième fois. d'enseignements, la grande majorité des enseignements du japonais n'enseigne pas la différence entre les hiragana et les katakana. Tout ce qu'on vient de voir, c'est complexe, ça prend du temps à être expliqué et ça demande de la concentration pour être compris. Il y a beaucoup d'enseignements, ils vont se dire, ça, on laisse tomber, ils vont jamais comprendre, on le voit pas, on leur met tout en hiragana, comme ça, ils se posent pas de questions. Ça paraît plus facile, mais je vous assure que c'est incroyablement plus compliqué parce que du coup, on s'y retrouve jamais. Les kanji, du coup, ont plein de lectures en hiragana. On ne sait pas laquelle est purement jap, sino jap. On ne sait jamais pourquoi, de temps en temps, bah, ce truc, ça va se dire comme ça, etc. Non, non, c'est très important de bien comprendre l'utilisation des purement jap dans des kanji utilisés seuls et des sino jap dans les kanji utilisés ensemble. Bon, très très bien. Digérez ça. Je vous laisse 5 secondes. Ah, 5 secondes, merci, c'est pas mal. Voilà. Ah, merci. Ah, c'est bon, c'est On digéré. continue. Merci beaucoup, Julien. Alors, je vous ai déjà dit qu'il y avait beaucoup d'homophones en lecture sino-japonaise, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de kanji différents, hein, qui s'écrivent différemment, mais qui vont avoir des lectures purement japonaises différentes, mais des lectures sino-japonaises qui se ressemblent. Ça va beaucoup arriver. Par exemple, l'est, dont la lecture sino-japonaise c'est to,
l'hiver, alors qui se dit fuyu, hein, ça se dit pas du tout comme l'est, bah la lecture sino-japonaise c'est aussi to. Ça va arriver. Ça va même beaucoup, 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 beaucoup arriver. Donc, je vous dis pas de bêtises. Non, je vous dis pas de bêtises. Donc voilà. Jamais. On aura souvent des lectures sino-japonaises homophones, mais ce sera beaucoup plus rare pour des lectures purement japonaises. Alors, on aura quelques homophones pour des lectures sino. Hop là, je fais une petite pause. Vous avez raison, dans le chat, je dois effectivement changer la catégorie de Twitch. J'avais complètement oublié. Je peux pas laisser Animal Crossing, sinon les gens vont croire que je joue Animal Crossing et je risque d'avoir des problèmes avec Twitch. Donc nous sommes en discussion. On va écrire, voilà, cours de japonais. J'avais complètement oublié, putain, j'ai pas encore le réflexe de faire deux streams avec deux sujets à la fois. Aïe, le mec, erreur. On reprend, pardon. Purement japonaise, mais ce sera rare. Je vous parle d'homophone et pas d'homonyme, parce que homophone, c'est vraiment qui se prononce de la même manière. Un homonyme, on peut avoir, ça peut être aussi des homographes, ça peut être la même écriture. Non, les kanji, bah les kanji s'écrivent pas pareil, chaque kanji est différent. Donc voilà, de temps en temps, on aura des homophones. Il arrive aussi parfois qu'on ait des kanji avec uniquement... Si j'arrive à me souvenir, je crois que le kanji du soleil et le kanji du feu se prononçaient de la même façon, je crois. C'était hi. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'était ça. Mais je sais même plus si c'était ces deux kanji-là. Lecture sino-japonaise. Ah, c'est ça. Que certains kanji n'aient pas de lecture purement japonaise. Bah, yes. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, quand les Japonais ont récupéré tous ces kanji qui venaient de Chine, ils ont posé leurs mots qui existaient déjà sur... les mots sur ces kanji qu'ils ont récupérés, toutes ces notions qui étaient exprimées avec des dessins. Mais les Japonais n'avaient pas forcément un mot dans leur langue pour tous ces dessins, tous ces kanji qu'ils ont récupérés. Du coup, il arrive que certains kanji n'aient pas de lecture purement japonaise. Ça arrive, c'est même assez fréquent. Sans dire que c'est ultra souvent non plus. Bon. Par contre, ils ont tous une lecture sino-japonaise, parce qu'ils avaient tous une prononciation de base en chinois. C'est logique. Par exemple, le kanji de la semaine, ce kanji-là, se prononce uniquement shu, que je vous écris bien en katakana, parce que c'est sa lecture sino-japonaise. Vous comprenez bien. Il n'a pas de lecture purement japonaise. Alors, pour être tout à fait exact, il arrive très rarement qu'on ait certains kanji qui n'aient qu'une lecture purement japonaise, hein, pas de lecture sino-japonaise. Alors ça arrivera quand, en fait, ce sont des kanji qui ont été créés par les Japonais, hein, sur le modèle des idéogrammes chinois, hein, des kanji. Mais ils ont créé, il y en a quelques-uns, pas énormément, c'est très rare, mais ils ont créé quelques idéogrammes, du coup, bah, certains ont qu'une lecture purement japonaise. Mais si jamais vous en voyez, ne vous affolez pas, ça existe. D'accord. Et puis on va avoir des kanji qui ont plusieurs lectures purement japonaises et plusieurs lectures sino-japonaises. Alors ça va pas être très rare, ça va même être assez fréquent. Mmh. Un kanji qui a plusieurs lectures purement japonaise, et parfois plusieurs lectures sino-japonaises. Alors ça, pourquoi est-ce qu'on va avoir plusieurs lectures ? Bah, souvenez-vous, un kanji, c'est une idée. Donc, au sein d'une même idée, on peut avoir plusieurs nuances. On verra ça, hein, aussi bien en purement japonais qu'en sino-japonais. Alors, de base, en chinois, chaque idéogramme n'a qu'une seule lecture. Mais en japonais, je vous donne un exemple. Le kanji de la lune, en purement japonais, il n'y a qu'une seule lecture, c'est tsuki. Tsuki, mais en sino-japonais, on en a deux. On a Getsu et Gatsu. Alors, on voit que ça se ressemble. Hein. C'est quand même quelque chose de très proche. On comprend que ça vient de la même base. Mais on a une nuance entre les deux. Getsu, ça signifie la lune. C'est quoi, Gatsu, c'est les accents ? Ça va signifier le moi. Parce que le kanji de la lune, on va l'utiliser pour représenter l'idée du moi. Hein, vous savez qu'un moi, bah, c'est le temps que prend une lune pour se remplir et pour se vider. Et oui, oh, c'est logique. Bah, du coup, voilà. Oh, que Getsu, c'est logique. Et Gatsu. On a ici deux lectures Getsu, sino-japonaises. Gatsu. Il arrive également que certains kanji soient suivis d'un hiragana. Ça, je vous en avais parlé au tout début, je vous avais dit que parfois les hiragana vont servir de terminaison aux verbes et aux adjectifs, notamment. Ces kanji-là sont des kanji à lire en lecture purement japonaise. Quand vous avez, par exemple, ce mot qui se lit « mijikai », donc on retrouve bien le petit « i » qui est la terminaison, Mijika, c'est un adjectif qui veut dire « court », c'est bien la lecture purement japonaise. Hein. Ce kanji seul, sans la terminaison, il a aussi une lecture sino-japonaise qui est « tan ». Donc ici, voilà, la lecture
purement japonaise de ce kanji, c'est Mijikai, et du coup, bah, on met le petit i à côté, parce que c'est la terminaison, de temps en temps, il va sauter. Donc voilà, ça arrive qu'on ait un petit hiragana, un ou deux, ça s'appelle les okurigana, vous n'êtes pas obligé de retenir le terme, ça arrive que ça s'accroche un peu au kanji. Je vous donne un autre exemple. Manger. Alors, c'est ce kanji. Bon, la lecture sino-japonaise, c'est shoku. Pas de souci. Et puis, la lecture purement japonaise, c'est taberu. Et ici, on a deux hiragana qui dépassent. Taberu, bah, en fait, le kanji ici représente juste le ta. Après, on a beru. Et puis, on va voir une autre lecture qui est ku. Ku-u. Alors là, c'est pas un allongement, c'est vraiment ku-u. Hein, le u, bah, de temps en temps, va être modifié. C'est bien la terminaison du verbe. Les deux veulent dire manger. Les deux veulent dire manger. On a une nuance de sens. Taberu, c'est manger. Puis ku, c'est un peu moins poli. C'est, ça doit être bouffé, par exemple. Donc vous comprenez que par moment, on a plusieurs lectures. Ouais, d'accord. Par moment, on a des petits okurigana qui s'accrochent. Ne vous en faites pas, pas de panique. Tout ça, okay. Ça va. Vous allez l'assimiler normalement au fur et à mesure que vous allez voir des mots de vocabulaire, au fur et à mesure... À partir du moment où tu gardes le même kanji dans les leçons, pour des synonymes... Ça va se faire tout seul. L'important, ouais. C'est que vous compreniez bien les règles de base des kanji qu'on a vues dans les cours précédents. Le reste, franchement, pas de panique. Bon, bah, je te fais confiance. Okay. Nous avons terminé ici notre analyse poussée des kanji. Et c'est une excellente chose de faite. Donc, n'hésitez pas à revoir ce cours plusieurs fois pour bien comprendre tout ça. Ouais, si ouais, vous comprenez bien en avoir besoin, oui. Tous les kanji... Toutes ces histoires de sino-japonais, purement japonais, pourquoi est-ce que katakana, hiragana, prononciation, ça sonne différent, tout ça vraiment, c'est très important. Si vous comprenez bien tout ça, la langue japonaise n'aura aucun secret pour vous. Tout sera explicable, tout sera logique, et tout sera incroyablement facile, simple. Facile, simple, waouh. Compréhensible, accessible, enfin bref, vous allez voir tout ça, ce qui ça paraît rêver, compliqué hein. Quand on voit ces idéogrammes hyper avec plein de traits, ça va devenir vraiment, ça va devenir même plaisant à apprendre parce que tout paraîtra logique, on comprendra tout. Yes, j'adore vous ça. Vous verrez, ce sera parfait. J'adore. Bon, oui. C'est une grosse leçon, mais très importante. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Le sourire. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les tu forces bien, Julien, sur bien. Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vante qui gargouille. Et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Yeah! Waouh! Il a fallu s'accrocher sur ce cours-là. J'avoue qu'il y a eu peut-être une ou deux fois où j'ai décroché légèrement. C'était un petit peu compliqué. Il faudrait que je me le revoie bien à tête reposée. Mais là, il m'a tellement rassuré à la fin en mode on va prendre du plaisir à apprendre et tout. Ça va être trop trop bien. Bien, mesdames et messieurs, j'espère que ce premier cours vous aura plu. On va passer maintenant au deuxième cours qui sera un cours sur les cas particuliers de kanji. Et est-ce que vous êtes chaud? J'attends votre réponse en japonais dans le chat. Entre chaque leçon, je vais remercier les bits. Merci Sarana pour les 100 bits. Merci Mystique pour les bits aussi, c'est gentil. Ah oui. Apparemment, les gens sont l'air chauds. Eh bien, nous sommes partis dans ce cas. Let's go. Nouveau cours. Quel acteur qui fait semblant d'écrire. Bonjour à toutes et à tous. Ah merde. Prenez place. Pardon. Je me suis pas mis sur le bon truc. Désolé. La scène, c'était pas la bonne. Je me doute. Oui, on n'avait pas joué à Animal Crossing. Je me doute bien. Pardon. Au cours de japonais. Bah du coup, vous avez pas vu ce qu'il a fait. Je vous le remets. Parce qu'en fait, il a fait semblant qu'on n'était pas là. Et à la fin, il fait ah, vous êtes là, vous. Bonjour, ça va. Voilà, c'est bon. Je le refais. Regardez, il fait semblant. C'est un acteur. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Les cas particuliers des kanji. Bon, on vient de voir énormément de choses sur les kanji, j'espère que vous n'êtes pas embrouillés. Regardez ça plusieurs fois, au calme, c'est très important. Au calme. Je répète, une règle de base, un kanji seul, on utilise sa lecture purement japonaise, des kanji ensemble, combinés, on utilise leur lecture sino-japonaise. Oui. C'est la règle de base, elle est très importante. Très simple à retenir. Maintenant, on va voir des cas particuliers de kanji. Et oui, il en existe. En fait, cette règle ne va pas être tout le temps utilisée de partout. On va avoir par moment quelques petits cas qui seront particuliers, où la règle ne sera pas appliquée. Alors,
je vous arrête tout de suite, il ne s'agit pas d'exception. On n'a pas d'exception en japonais. Tous ces cas particuliers ont une explication logique. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui, en enseignant le japonais, disent ça, oh non, ça c'est une exception, ça ne cherche pas, c'est une exception. Non, on n'a pas d'exception. Une fois, si tout est bien compris, si tout est bien expliqué, on comprend voilà, pourquoi on va avoir de temps en temps des cas particuliers. Mais j'aimerais que vous ne partez pas en vous disant oh, c'est une exception, cherche pas, tu comprendras jamais. Non, non. Comprenez bien pourquoi de temps en temps les règles ne seront pas appliquées. D'accord. Et ça vous permettra de bien mieux progresser, de bien mieux pouvoir approcher bah, la totalité de la langue japonaise. On est parti. On est parti. Alors, oh, 12 règles. On a un premier cas particulier. Ah, non, de temps 12 en cas. Temps, 12 on va avoir des kanji combinés, mais à lecture purement japonaise. C'est-à-dire qu'on aura, par exemple, ce mot, deux kanji ensemble, mais on va lire ce mot avec les lectures purement japonaises des kanji. Donc, ce mot, premier kanji, lecture purement japonaise, na. Non. Lecture sino-japonaise, mais. Deuxième kanji, lecture purement japonaise, mae. Lecture sino-japonaise, zen. Donc, ça va le se premier lire veut dire namae, nom, le deuxième maena. Veut dire devant. Donc, en gros, devant le nom, le prénom. Maena. Ce mot, on aimerait bien le prononcer maezen en lecture sino-japonaise. Mais non, on va le prononcer namae. Ah merde, tout namae. En lecture purement japonaise. Dommage. Pourquoi ? Parce que en japonais, les japonais n'ont pas attendu les kanji pour combiner des mots. Alors, je ne parle pas de l'écrit, je parle de l'oral. Les japonais avaient le mot na, le nom, et avaient le mot mae avant. Bon, du coup, avant même d'avoir une écriture, bah, ils se sont dit, bah, si on dit namae, ça veut dire avant le nom, le prénom. Y a pas de souci. Donc ce mot existait avant la prise des kanji. Mais du coup, quand on a récupéré les kanji, on a mis na sur ce kanji-là, on a mis mae sur ce kanji-là, et du coup, le mot namae qui existait de base en japonais, hein, un mot purement japonais, le prénom, bah, on l'écrit na plus mae. Donc on a une combinaison de deux kanji, mais sur une écriture, sur des lectures purement japonaises. Ça va arriver fréquemment. Je ne vais pas dire que c'est ultra, 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 ultra fréquent, mais ça va arriver. Donc, ne vous posez pas de questions. Ce n'est ni un piège, je ne vous ai pas menti. Ça arrive. Bon, d'accord. Ensuite, deuxième cas particulier. De temps en temps, on va avoir des kanji combinés, mais pareil, qui se liront en purement japonais. Pourquoi ? Parce qu'on aura un préfixe. Alors, par exemple, c'est le même principe, c'est un tout petit peu différent. Par exemple, ce mot qui veut dire petite montagne. Alors, montagne, c'est yama. Lecture sino-japonaise, san. Et puis, petit, alors petit, de base, ça se dit chiisai. Puis, quand on le met en préfixe, il a une autre lecture purement japonaise, c'est ko. Bon, sa lecture sino-japonaise, c'est sho. Du coup, ici, bah, c'est pas shosan, non, c'est koyama. Parce que ici, petit, c'est le préfixe qu'on va utiliser. C'est un kanji. Alors, certains kanji s'utiliseront en tant que préfixe. On verra ça plus en détail plus tard. Mais là, du coup, c'est koyama. Parce que voilà, on est bien sur du purement japonais parce qu'on pose le préfixe. Alors, on verra que quand on pose un préfixe ou un suffixe en japonais, on garde une lecture purement japonaise. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui existait avant la récupération des kanji, avant, avant l'écriture de la, propre langue, de la langue japonaise, hein, avant, du coup... l'utilisation des lectures sino-japonaises pour créer des nouveaux mots, etc. Ça arrive. Troisième cas particulier. Par moment, on a des kanji seuls, mais dont la lecture est bizarre. En fait, on a l'impression qu'il y a deux lectures purement japonaises dans un seul kanji. Alors ça, c'est très étrange, ça arrive de temps en temps. Je vous donne un exemple. Oui, un exemple. En japonais, le jardin, ça se dit niwa. C'est la lecture purement japonaise. Et puis l'oiseau, ça se dit Tori. Lecture purement japonaise, encore une fois. Et puis, du coup, les Japonais, avant même la récupération des kanji, ils ont créé Niwatori, bah, un oiseau de jardin, c'est une poule. Niwatori. Bon. Du coup, nous, on aimerait bien, on serait tenté, une fois qu'on a récupéré les kanji, d'écrire Niwatori, Niwa plus Tori. Bah, ce oui. serait logique, c'est comme ce qu'on a fait là-haut avec Namae. Pas de souci. Et non, sauf coup... que non. Sauf que non, parce que en chinois, les idéogrammes, on avait déjà, quand les Japonais ont récupéré les kanji, on a déjà un kanji qui, tout seul, veut dire une poule. Hein, ça, c'est le kanji de la poule. Du coup, notre mot niwatori, il existait déjà. Ça devient lecture purement japonaise de ce kanji. Ce kanji, c'est niwatori.
Et du coup, en japonais, la poule, ça s'écrit bien Niwatori comme ça et non pas comme ça. Oui. On ça, a déjà... ça n'est pas la, l'écriture exacte. On a c'est toujours bien le kanji de Niwatori. Même si à l'origine, on a bien Niwa plus Tori, bah aujourd'hui, c'est un seul kanji. Et ça arrive de temps en temps sur quelques mots. Il n'y en a pas énormément non plus. Donc, ça pas... au début, quand on les regarde, quand on essaie d'analyser, ça paraît bizarre. Donc, ne vous en faites pas. Voilà l'explication. Intéressant. De temps en temps, quatrième cas particulier, on va avoir des kanji seuls, mais à lecture sino-japonaise. Alors là, vous me dites, mais Julien, c'est bizarre, un kanji seul, c'est lecture purement jap d'habitude. Oui. Mais oui, mais quand ce kanji n'a pas de lecture purement japa, on a bien vu que tous les kanji n'ont pas de lecture purement japonaise. Les japonais n'avaient pas un mot dans leur propre langue pour chacun de ces kanji qu'ils ont récupérés. Par exemple, le livre. Alors, les japonais, c'est bizarre, mais n'avaient pas de mot pour dire un livre. Bah, c'est bête. Enfin, c'est pas bête, c'est normal. Ils n'avaient pas d'écriture, donc forcément qu'ils n'avaient pas de livre. Il n'y avait pas de support pour l'écriture, vu qu'ils n'écrivaient même pas. Quel bordel. Oh là là. Les japonais n'avaient pas de mot pour dire livre à la base. Du coup, ce kanji-là, qui est... Alors, c'est aussi le kanji de l'origine, hein, mais c'est aussi le kanji du livre. Bah, il a juste sa lecture sino-japonaise, dans le sens du livre. Hon. Du coup, un livre, ça s'écrit comme ça, et ça se prononce, bah, en sino-japonais, hon. Hon. Alors... il va arriver, ça c'est assez fréquent, ça, alors ça arrive. En général, ces lectures sino-japonaises bah, vont avoir tendance à être utilisées comme des lectures purement japonaises. Mais on verra ça en temps et en heure, ne vous en faites pas. Hein, pour terminer sur ce kanji, je vous l'ai dit dans le cours, un des cours précédents, c'est aussi le kanji pour dire moto, l'origine. Alors là oui, l'origine c'est moto en purement jap, c'est toujours hon en sino-jap. Mais dans le cas du livre, bah non, moto c'est juste l'origine, c'est pas le livre, donc on a juste Ron. Okay. Comprenez bien. Je comprends, j'assimile pas tout cinquième à 100%, mais je alors, comprends. Par moment, on va mélanger des lectures purement japonaises et sino-japonaises dans un mot combiné. Ça c'est bizarre, ça arrive très rarement, mais ça arrive. Par exemple, le mot jour de la semaine, qui s'écrit comme ça, ça se prononce yobi. Yo. Et là, je vous l'écris bien en katakana et en hiragana parce que yo, c'est la lecture sino-japonaise de ce kanji. Et bi, bah en fait, de base, c'est le hi, la lecture purement japonaise soleil, de ce kanji, ça, qui prend l'accent parce qu'on a la règle de la combinaison. Et du coup, ça devient yobi. Donc voilà, là, on a les deux en même temps. C'est bizarre, ça arrive rarement, mais voilà, c'est comme ça. Là, pour le coup, les japonais... ne sont pas trop posés de questions. De temps en temps, on n'avait pas ce qu'il fallait de lecture purement japonaise, on n'avait pas ce qu'il fallait comme lecture sino-japonaise. On a voulu mettre un sens particulier, donc on a fait des mélanges. Sixième cas particulier. De temps en temps, alors même fréquemment, on va utiliser un mot étranger comme terme sino-japonais. Et ça, ça va énormément se faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant sur le terme xéno-japonais que j'utiliserai plus tard, mais regardez, un mot en katakana, par exemple, la France, France, c'est nous, bah, la France. Si on l'écrit en katakana, c'est parce que c'est un mot étranger. Tout comme le mot Nihon, Japon. Alors, Nihon, qui est l'appellation que les Chinois donnaient à... soleil et livre. Attends, j'ai une bêtise. Au Japon, au pays du Japon. C'est les kanji du soleil et du livre ou... Ah non, de l'origine. Ah non, on l'avait vu. Soleil, origine, donc l'origine du soleil, le pays du soleil levant... Ah bah tu vois, bah maintenant, livre et origine, ça et les deux, je vais m'en souvenir, enfin, ce kanji-là, je vais m'en rappeler du coup. Pff, soleil, le livre du soleil, mais qu'est-ce que je raconte, putain, mais tais-toi. Allez, on continue. C'est bien une lecture sino-japonaise, Nihon. En japonais, les mots katakana, qu'il s'agisse de kanji sino-japonais ou de katakana français, anglais, etc., etc., c'est tout de l'étranger, donc ça réagit pareil. Hein, en fait, ce qu'on appelle du sino-japonais, donc chinois, japonais. Aujourd'hui, on pourrait presque appeler ça du xéno-japonais, parce que c'est plus seulement chinois, c'est étranger, ça peut être n'importe quoi. Un xéno, c'est, ça veut dire étranger. Donc, on va pouvoir l'utiliser de la même manière. Par exemple, Nihon, je rajoute le kanji de l'homme en lecture sino-japonais, ça fait Nihonjin. Donc c'est un japonais. Un japonais. Si je veux dire un français, eh ben je fais pareil. Furansu, jin. Je peux combiner ce kanji en lecture sino-japonaise à furansu parce que bah, c'est du katakana, c'est de l'étranger. Ça s'utilise de la même manière. Il n'y a pas de kanji, mais on est sur du katakana. On peut combiner les lectures. Ici, c'est du xéno-japonais. Jin, pour dire un homme, c'est jin.
C'est marrant, le père de Gon dans Hunter x Hunter, il s'appelle Jean. Du coup, c'est genre, c'est le mec le plus respecté, c'est l'homme, tu vois, c'est un homme comme ça. Je... Ah, c'est stylé. Je me souviendrai maintenant qu'un homme, ça se dit Jean. Et je me souviendrai, la forme par contre, je m'en souvenais déjà, ouais. Il est très simple. Vous comprenez bien. C'est comme ça qu'on crée plein de mots. Par exemple, on a ce kanji qui veut dire la langue, hein, la langue parlée. Bah, si je mets avant, Nihon, Nihongo, c'est sa lecture sino-japonaise, le japonais. Et si je mets aussi Italia, Italiago, bah ça marche, l'italien, la langue italienne. Et oui, je mets bien mon mot étranger, en katakana, avec un kanji en lecture sino-japonaise, et ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et puis par exemple, on a un mot qu'on utilise depuis le tout début ensemble, les romaji. Ah bah oui. L'écriture latine, bah Roma c'est Rome et ji c'est le kanji pour dire le caractère. Et oui, là on a bien les deux fusionnés ensemble. Le caractère de Rome. Hey, ça ressemble vachement au ça. Si j'enlève l'espèce de chapeau qu'il y a au-dessus, on dirait vraiment le kanji de l'enfant. Comme ça là. Mais peut-être que enfin, je me souviens pas par contre. Peut-être que je dis une bêtise. L'alphabet latin, hein. Les caractères de Rome, les caractères romains, l'alphabet latin. Roma dit, caractère. On a bien mélangé les deux, donc encore une fois, ça se fait très souvent. Ah, comme quoi, on a de nouveau on les mêmes tard, kanji qui ressortent. La grammaire, notamment lorsqu'on fera les verbes, les adjectifs, que les mots étrangers, notamment les mots anglais, parce que ce sont très souvent des mots anglais, s'utiliseront exactement pareil que des termes sino-japonais. C'est important, commencez déjà à vous y faire, à assimiler cette notion. Septième cas particulier. Allez, on a fait plus de la moitié. Par moment, des kanji sont combinés avec des répétitions. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Par moment, on va mettre deux fois le même kanji à côté. Toki, c'est le temps. C'est sa lecture purement japonaise. Si je le mets à côté, ça veut dire de temps en temps. Ça se lit toki, doki. Alors, on a le to qui devient do, toki, hein, la règle de l'accent. Oui, et la puis, règle ça de l'accent. Se lit en lecture purement japonaise. Toki, toki. Doki. Ce symbole peut être utilisé pour écrire la répétition. On le verra plus en détail plus tard. Il permet d'indiquer que le kanji est répété. Toki doki. D'accord. Et ici, on reste en lecture purement japonaise. Ça se fait comme ça, parce qu'on se base sur le mot toki. C'est comme si on avait mis un petit 2 au carré. Et puis, de temps en temps, on peut aussi avoir des mots combinés comme ça avec deux fois le même kanji, mais en lecture sino-japonaise. Par exemple, ce kanji qui veut dire un petit peu. Attention, c'est pas doki doki, c'est toki doki. Normalement, ça devrait. Normalement, il a dit que le kanji s'appelle Toki. Et on le répète. Mais on peut pas dire Toki Toki parce que c'est difficile à prononcer. Donc on met un accent pour que ce soit plus simple. Toki Doki. Il est ouf ce cours, j'étais chaud. Mais ouais, putain, c'est trop intéressant. En sino-japonais, Shou. Je le mets deux fois. Shou Shou. Ça veut dire un petit peu, mais en plus poli. Hein. C'est un tout petit peu. Donc voilà, on peut avoir des kanji combinés par répétition. Ça peut être lu aussi bien en lecture purement japonaise qu'en lecture sino-japonaise, selon le kanji sur lequel on se base. Le japonais, c'est comme les maths. Huitième cas particulier. Parfois, des kanji différents ont la même lecture purement japonaise et le même sens. Je vous donne un exemple. Voilà, attends, quoi ? En japonais, de base, avant les kanji, hein, tout ça, bleu, ça se disait ao, le bleu, ao. Aujourd'hui, on a 4 kanji qui se prononcent ao, qui ont récupéré cette lecture purement japonaise. Celui-ci, ao. Alors, celui-ci, ao. Celui-ci, ao. Et celui-ci, ao. Ils veulent tous dire bleu. Et en fait, à l'oral, on n'a aucune différence. C'est ao. Mais à l'écrit, on va avoir une nuance. Alors, une nuance qui, de base, n'existait pas en purement japonais, mais qui est apportée des idéogrammes. En Chine, on avait une nuance sur ces 4 bleus différents. Ça, par exemple, c'est le bleu de base, hein, c'est la couleur primaire, ao. Ça, c'est un bleu un peu noirâtre, un bleu un peu nuit. Ça se dit aussi ao. Ça, c'est un bleu un peu verdâtre, qui tire un peu sur le vert, ao. Et puis ça, c'est un bleu foncé, simplement, ao. Donc les japonais bizarre, de base ça. Dans leur langue n'avaient pas de nuance. Tous ces kanji se prononcent ao, mais c'est à l'écriture qu'on va voir la nuance. Ah ok, bah, quoi, ça encore une fois, sinon on s'en sortait pas. C'est un peu particulier, ça va être utilisé quand on veut écrire quelque chose avec une nuance, mais qu'on n'entendra pas à l'oral. Alors c'est quelque chose que les gens, par exemple, qui travaillent sur la symbolique aiment bien faire, ça se fait parfois en français, mais c'est un peu, à l'oral, différent. Ça existe en japonais, donc si jamais vous rencontrez deux mots
un mot qui se prononce pareil, enfin, si jamais vous rencontrez un mot qui a sa prononciation propre, son sens propre, mais qui s'écrit sous plusieurs kanji, c'est pas qu'il y a un piège, ça existe. Mais je suis curieux de savoir comment ils font à l'oral pour neuvième cas particulier. En fait. Par moment, on a des kanji combinés, mais à lecture purement japonaise particulière. Alors ça, c'est plus on avance dans les cas particuliers, plus c'est bizarre. Par exemple, ce mot, kanji de grand, kanji de homme. Bon, ça veut dire un adulte. Alors, en lecture purement japonaise, on a o et hito. En lecture sino-japonaise, on a dai et jin. Est-ce qu'on prononce ça daijin, comme on aurait le faire logiquement? Est-ce qu'on prononce ça o hito ou o bito, comme on pourrait le faire si jamais le mot existait déjà de base avant la récupération des kanji? Non, en fait, on va faire ni l'un ni l'autre. Parce que les Japonais ont déjà un mot seul qui veut dire adulte, qui est, de base en purement japonais, otona. Et quand ils ont récupéré les kanji, il n'y avait pas le kanji pour adulte. Du coup, ouais, on a créé en kanji la notion d'adulte au niveau des idées, grand plus, plus homme, et on a mis une lecture qui n'a rien à voir avec la lecture purement japonaise de chaque kanji ou avec la lecture sino-japonaise de chaque kanji. On a mis la lecture, le mot de base, otona, on l'a posé dessus. Pouf. Du coup, ce truc, indépendamment des lectures purement japonaises et indépendamment des lectures sino-japonaises, ça se prononce avec une lecture qui vient d'ailleurs. Oh ouais, il faut le savoir, ça. Purement japonaise, otona. Tu peux même pas le prononcer avec... Et il y a avec, plusieurs mots comme ça qui existent. Il faut juste les savoir, ceux-là. Je pense qu'il faut les apprendre par cœur. Vous êtes toujours là? J'espère. Dixième cas particulier. Par moment, on a des kanji combinés, mais à la lecture purement japonaise, phonétique. Alors, je vous donne un exemple. Ce mot se lit dekiru. Alors, dekiru, c'est un verbe, ça veut dire pouvoir faire. Un verbe qui existe de base en purement japonais. Voilà, les Japonais, pouvoir faire, ils disent dekiru. Et puis, quand on a voulu écrire dekiru en kanji, on n'avait pas de kanji qui voulait dire pouvoir faire en chinois. Du coup, comment est-ce qu'on a fait? Alors, on a pris ces kanji, mais qu'on n'utilise pas pour leur sens, mais pour leur phonétique. Ce truc, ce kanji, en lecture purement japonaise, tout seul, c'est deru, ça veut dire sortir. Celui-ci, c'est kuru, ça veut dire venir, mais dans une certaine forme, qu'on verra plus tard lorsqu'on travaillera sur les verbes, ça peut se prononcer ki. Et puis celui-ci, tout seul, il peut aussi se prononcer D. Hein. Ce sera la forme nominalisée des verbes. Dieu. On verra tout ça plus tard. Du coup, D, qui, on rajoute RU, ça nous fait notre DEKILU. Donc encore une fois, DEKILU, ça veut dire pouvoir faire. Ça n'a rien à voir avec sortir, venir. Mais on a écrit ce mot avec ses kanji par rapport à la phonétique purement japonaise. Oh, donc, encore une fois, c'est bizarre. Vous compliquez la vie. On sort du sens. En fait, c'est comme si on écrivait... on écrivait tout simplement, c'est comme si s'il s'agissait de hiragana, mais ici, de base, on les a écrits avec des kanji, mais pour leur valeur phonétique. Il fallait laisser le D ça, et le ça ki. Ça existe, c'est de moins en moins utilisé. Oh là là. Les mots créés comme ça ont beaucoup plus tendance à s'écrire uniquement en hiragana. D'ailleurs, dekiru, on le voit aujourd'hui énormément plus. Heureusement. Après, c'est cool d'avoir savoir du vocabulaire. Hein. Mais ça arrive, donc voilà prévenu. Waouh, ok. Il faut vraiment que les yeux le voient direct, en fait. Plus beaucoup. Par moment, on va avoir deux écritures pour un même mot. Okay. Je vous donne un exemple. Ce kanji tout seul, c'est, joli. C'est en purement japonais tamago. Ça veut dire l'œuf. On connaît ça. Ah oui, c'était dans l'exercice. Alors l'œuf, tamago. Comment ça s'est créé de base en japonais? Tama, c'est la lecture sino-japonaise, purement. Si vous voulez vous souvenir que œuf, ça se prononce tamago, vous avez qu'à juste vous rappeler des petits jouets, les tamagotchi. Tamago, tamagotchi, c'est le ton petit œuf à toi, ton petit personnage, ton truc à qui tu donnes la vie, tamago. Et alors, rajouter le chi doit sûrement vouloir dire quelque chose genre ton œuf à toi peut-être. Je sais pas, là j'improvise, j'en sais rien, mais il doit y avoir une raison. Comment japonaise? Alors, de base, hein, en purement japonais, une sphère, ça se disait tama, et puis un enfant, petit, etc. C'était ko. Ko. Voilà, l'enfant sphère, hein, alors un petit enfant dans une sphère, un œuf. Du coup, les Japonais ont pris tama plus ko, ils ont fait tamago, et puis ils ont créé le mot œuf. Logique. Là, on est bien avant les kanji. Quand bien qu'ils ont mis un accent, mais logique. On a ce kanji, le kanji de la sphère qu'on a appelé tama,
ce kanji, le kanji de l'enfant qu'on a appelé ko, du coup, il est possible d'écrire l'œuf tamago. Mm. Là, on est bien sur des lectures purement japonaises, mais sur un mot composé. Mais il y a aussi un kanji tout seul qui veut dire l'œuf. Du coup, les Japonais ont aussi mis la lecture tamago sur ce kanji-là. Alors, on revient à notre histoire de poulet, de poule, jardin, oiseau, etc. C'est pas dans le cas de la poule qui est donc l'oiseau de jardin. Là, c'était pas possible d'écrire ça avec le kanji du jardin et le kanji de l'oiseau. Mm-hmm. Autant pour l'œuf, c'est possible. Là, il faut tamago, savoir, encore soit une avec fois. Le kanji de l'œuf, soit avec le kanji, bah, en gros, l'enfant se fait. Bah, tant mieux. Si on a les deux, tant mieux. Pour ça, c'est du purement japonais. Parce que ça, voilà, se prononce de la même façon. Ça arrive. Tout va bien. Si vous croisez des mots comme ça, vous posez pas de questions. Bah ça limite c'est un cas particulier. Allez, 12e qui est cas positif. Particulier, c'est un peu différent, mais ça va être très rapide. Hiragana. Ah, on connaît ça. Katakana, qui s'écrivent comme ça en kanji. Aujourd'hui, on va les écrire hiragana et katakana. Bah ouais, ça paraît logique qu'on écrive hiragana et katakana en katakana. Donc voilà, de base, ces mots s'écrivent en kanji. Imagine si on faisait pareil, nous. En français, bah oui, majuscule. Bah tu l'écris en majuscule, normal. Et minuscule, tu l'écris en minuscule. Imagine si le mot majuscule en français, on devait l'écrire tout le temps en majuscule. Parce que c'est la définition même du mot. En vrai, ça serait cool. Ne commence pas à spammer des majuscules en majuscule dans le chat. Hein. Aujourd'hui, on va les écrire. Hein. Hiragana, katakana, ça se fait mieux. Voilà. On a un 13e cas particulier qui est le cas particulier des noms de famille japonais. Mais là, ça va être hyper long et hyper intéressant. Donc, je vous propose de faire tout ça dans un cours suivant. Ah, yes, ok. Les noms de famille japonais. Ce qui vous permettra yes. déjà de souffler. Parce qu'on a vu plein de cas particuliers. Ça va, je trouve que c'est abordable. Ça va. Alors, c'est de la logique. Ça, si vous avez bien compris tout ça, vous êtes calé, vous êtes paré. Rien ne vous étonnera jamais en japonais. Ah non, je suis pas étonné, c'est bon. Ah, nickel. Ça arrive qu'on ait des cas particuliers, mais. Je le répète, ça n'est que des cas particuliers, c'est pas fréquent. Hein. La règle de base, vous vous en souvenez, un kanji tout seul purement en jap, des kanji ensemble sino-japonais. Ça, c'est la règle de base. Mm. Mais on aura des cas particuliers, donc. Ça, si vous n'avez pas tout compris sur le moment, c'est pas grave. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à revoir les exemples, etc. À me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. Ça arrive qu'on ait des cas particuliers qui ne respectent pas la règle principale. Ok. Ça me Encore bat, une moi. Fois, tous moi, ces cas particuliers ne sont pas présentés, ne sont pas enseignés dans beaucoup d'écoles hein, d'enseignement du japonais. C'est dommage. En général, on vous dit, bah voilà, ça c'est une exception, réfléchis pas, ça se fait comme ça. Non, non, voilà, là je vous ai bien montré que tous ces cas particuliers ont toutes une origine étymologique crédible, c'est véritable, encore mieux comme ça, je trouve, qui existe, hein, qui permet de comprendre, donc... Là, on n'est pas sur du « Ah, c'est pas les Japonais, ils se sont dit, on va écrire ça comme ça, puis wesh. » Non, non, on est sur une raison logique. Donc, si vous comprenez bien tout ça, le japonais est quelque chose de logique. Vous n'allez jamais être perdu. Il ne faut pas se dire que le japonais, c'est YOLO. Hein. C'est vraiment une langue, vous verrez, très rationnelle, très logique. Ce sera quelque chose de... Surtout quand on commencera la grammaire, vous verrez, mais c'est... Je suis sûr que Julien, toi qui m'écoutes, je suis sûr que tu regrettes, parce que c'est en 2016, d'employer des mots comme YOLO... Et wesh, parce que tes cours, ils vont rester dans le temps, tes cours de japonais, et dans 20 ans, il y aura encore des gens qui vont les regarder et qui vont les étudier. Et quand ils vont t'entendre dire YOLO, et ils vont être là en mode... Il a parlé français, là, il a dit quoi, YOLO, mais il parle de quoi, d'une marque de yaourt à boire, je comprends pas, à l'aide. Non, c'est rigolo, c'est rigolo. Dans 150 ans aussi, ils comprendront pas, ils vont dire, quoi ? Wesh, qu'est-ce que c'est ? C'est un plat typique du nord de la France avec beaucoup de fromage et du pain, je ne comprends pas. Ultra, ultra, ultra logique comme grammaire, etc. Comparé à la grammaire française qui est un peu plus... qui a évolué, qui s'est permis quelques petites libertés. Bon. J'espère que vous avez bien compris ce principe de cas particulier. Ne vous embrouillez pas. Si vous ne comprenez pas tout ça, concentrez-vous sur la règle principale et gardez à l'esprit que, de temps en temps, ça va être un peu différent. Ok. Voilà. Moi, ça me va. J'ai tellement envie de manger et un Welsh. Et boire un verre d'eau, surtout. J'espère que ce cours, chers élèves, vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Faites-le. Vous retrouvez toutes les Faites-le. Actualités. Abonnez-vous à sa chaîne. Sur Faites-le. Facebook, sur Twitter. Cours de japonais. J'ai ma voisine qui passe l'aspirateur au moins 10 fois par jour. Je ne sais pas ce qu'elle fait.
Je pense qu'elle a un chat qui perd beaucoup ses poils. quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Le sourire! Waouh! Nice! C'était très compréhensible, c'était très abordable. C'était. Je me rends compte qu'en fait, ça va pas être de quelque chose que tu apprends par cœur, mais plus de l'habitude en mode plus tu vas lire des textes en japonais et plus tu vas t'habituer à. Alors est-ce que. C'est vraiment dès qu'il y aura des cas particuliers, tu vas te poser, tu vas réfléchir un peu. Et tu vas comprendre qu'est-ce que c'est en fait. Et... Mais ça, il faut juste de la pratique. Et je pense qu'il faut prendre des gros textes en japonais et tout lire, tout lire, tout lire, tout lire. Et essayer de comprendre où sont les exceptions, où sont les trucs comme ça. Je trouve ça. Je trouve pas ça impossible. Quand tu te motives un peu. Je vais quand même le revoir le cours parce que sur 12 cas particuliers, j'en ai déjà oublié la moitié, c'est certain. Mais c'est pas des cas particuliers qu'il faut apprendre par cœur, c'est des cas particuliers qui vont te sauter aux yeux quand tu verras les textes, je pense. Nous allons donc passer à un nouveau cours qui sera non pas les noms de famille, mais on va faire une petite pause vocabulaire puisqu'on va passer aux noms des couleurs. Nous allons apprendre comment se dit le bleu, le rouge, le vert, le jaune, le orange, le noir, le blanc, le marron, le gris, il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés. On va pas tarder, est-ce que vous êtes chaud pour ce cours des couleurs? Merci à Hyde Flyer qui a fait une petite donation tout à l'heure. Oui, je me rappelle, tout à fait. Et non, il n'y a pas moyen de devenir modérateur, désolé, j'ai déjà une équipe de modération qui est impeccable. Et les gens, ils sont plutôt chauds. Bah ça fait plaisir, et bien écoutez, nous sommes partis, allons-y. Bonjour à toutes et à tous, prenez Bonjour. Place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Non, pour répondre dans le chat, non, je ne suis pas à jour sur le vocabulaire. Toute la vidéo de la semaine dernière sur le vocabulaire, j'ai pas appris du tout. Oh, il est la beau. La leçon du jour porte sur le nom des couleurs. Alors, j'insiste bien sur le terme, il s'agit bien du nom des couleurs et pas l'adjectif. C'est un peu compliqué parce qu'en français, on n'a souvent pas de nuance. Le rouge est rouge pour l'adjectif. Par exemple, un chien rouge. En japonais, on aura une nuance au niveau du nom ou de l'adjectif. Donc le cours d'aujourd'hui porte bien sur le nom des couleurs. Le rouge, le bleu, le jaune, etc. Ok. Allez, go! Le rouge, le rouge se dit en japonais Aka. Aka, oh! Oh, oh, Aka, vous la connaissez celle-là? Akatsuki. On a appris que Tsuki, c'était la lune. Et là, on apprend que rouge, c'est Aka. Donc, Akatsuki, la lune rouge. Je veux pas spoiler la fin de Naruto, mais le projet final de l'Akatsuki, c'est un rapport avec une certaine lune qui devient rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est bon. Voilà, vous vous souvenez, à partir de maintenant, le rouge, comment ça se dit? Comment tu dis la lune? Aka. Le kanji de la lune, c'est le kanji du soleil, mais avec des petits pieds, là, avec une petite paire de chaussures. Et le kanji du rouge, il ressemble à ça. Et voilà, ça par contre, ça sera un petit peu plus compliqué à retenir. Donc il faudra que ça te saute aux yeux. On continue. C'était quoi le bleu que je me souviens? Ao. Ao. Le bleu se dit en japonais Ao. Ao, c'est ça. Putain, les kanji, par contre, des couleurs, ils sont difficiles. Le jaune se dit en japonais Kiro. Kiro. On a bien une lecture purement japonaise pour deux kanji mis ensemble. Ça viendra très, très, très souvent. Le deuxième kanji, iro, est iro. Okay. Le mot pour dire la couleur en japonais. On verra donc que très souvent, une couleur sera composée avec quelque chose plus iro. Couleur. Tout ça lu en purement japonais. Ces mots existaient avant la récupération des kanji, donc c'est-à-dire avant le 4e siècle. Mais alors ça veut dire quoi le kanji de gauche là? Le ki? C'est quoi le ki? L'orange se dit orange iro. Orange, couleur orange. Donc là, on a orange qui est le mot étranger récupéré en katakana, plus iro lu en purement japonais. Bon, un peu bizarre, mais ça se fait. Oh, on a une autre manière de dire orange qui est dai dai iro. Dai dai. Dai dai est en fait une petite orange japonaise. Une orange amère d'ailleurs. Donc comme nous on a récupéré la couleur sur le fruit, eux ils ont créé dai dai iro. Le terme le plus employé aujourd'hui est bien orange iro. Ok, c'est cool, tant mieux pour nous, ça on connaît. Le violet se dit en japonais murasaki. Murasaki, murasaki, murasaki. J'ai trouvé des trucs. Le vert ça vient pas. Se dit en japonais midori.
Midori, comme les mille oiseaux? Le blanc se dit en japonais Shiro. Shiro. Le noir se dit en japonais Kuro. Kuro. Shiro et Kuro. Noir. Noir. Le gris se dit en japonais Haihiro. Haihiro. Le hai, Haihiro. Le premier kanji veut dire les cendres. Donc gris, la couleur des cendres. Sérieux? Oh les gars, sans déconner, ce kanji c'est les cendres. Mais attendez, parce que là c'est le kanji du feu. Donc ça là, ça c'est le feu. Et en fait tu lui mets un petit comme ça, une petite urne. Et paf, ça fait des cendres. C'est trop bien. Donc du coup, la couleur des cendres c'est le gris. Et ça on avait dit que ça voulait dire couleur du coup. Midoriya, ah oui, pour le, c'était quoi, c'est le vert? Midori c'était le vert? Attends non. Non, je sais plus. Ah, je me rappelle pas, non, tant pis. Midori? Non. Et non, pardon, les mille oiseaux dans Naruto, c'est pas Midori, c'est Shidori. Ah, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit. Non, je crois qu'il dit Shidori, les mille oiseaux, ouais. Ouais, c'est Shidori, ouais, je confonds alors. Midori, c'est vert, donc Midoriya, c'est quoi? C'est qui? C'est un personnage dans My Hero Academia, c'est ça? C'est parce qu'il a les cheveux verts, du coup? Est-ce que c'est ça? Ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais, je pense que c'est ça, oui. On continue. Ah non, c'est Izuku, tu as raison. Le rose se dit en japonais pink. Là, pour le coup, pinku, facile. On est sur du rose. Pinku, anglais. Pink, anglais. Le marron se dit en japonais chairo. Alors là, chairo, chairo. On est sur le kanji cha, qui veut dire le thé. Plus la couleur, donc la couleur du thé un peu marron. Particularité, notre cha est une lecture sino-japonaise. C'est pour ça que je vous l'écris en katakana. Mais aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé comme du purement japonais en japonais. Donc, d'ailleurs, cha est la seule... Ce mot-là, le thé, est le seul mot, la seule lecture sino-japonaise qui existe et qui se prononce donc cha. On a déjà vu qu'il existe beaucoup... beaucoup, beaucoup d'homonymes, d'homophones en lecture sino-japonaise, bah, cha, il n'y en a qu'un seul, c'est ce kanji, et ça tombe bien, il est souvent utilisé en tant que mot purement japonais, comme ici, chairo, le marron. C'est ultra cool, en fait, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de mots de vocabulaire, enfin, il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui vont se répéter. Par exemple, cha, on apprend que c'est le thé, et pour dire la couleur marron, bah, tu vas dire couleur du thé. Tu vas dire couleur du thé. Et la couleur du thé, c'est quoi? C'est marron. Et en fait, donc, le cha, il va s'utiliser pour le nom du thé, le nom de la couleur marron. Donc en fait, ça va, je vais pas dire ça va tourner en boucle, parce qu'il y en a beaucoup des kanji, mais si par exemple tu apprends par cœur la couleur marron, tu sauras automatiquement dire comment prononcer le thé. Et inversement, si tu apprends par cœur comment prononcer le thé, tu sauras automatiquement dire la couleur marron, parce que tu connaîtras forcément le kanji de la couleur, en fait. Donc... cool. Et apparemment, j'avais raison dans le chat pour Midoriya, c'était donc le nom de famille de Izuku, donc c'est pour ça qu'il a les cheveux verts, parce que Midori, vert, pourquoi un Ya en plus, ça je sais pas, mais comme quoi, les prénoms des personnages dans les mangas, ils sont tous très réfléchis. Hein. Le beige se dit en japonais beige. Ok. Là, pas de soucis, ça vient de l'étranger. Beige. Le mauve se dit en japonais. Mauve. Usumurasakiro. Je ne prononcerai jamais cette couleur. Qu'est-ce qu'on a ici? Usu veut dire doux, atténué. Doux. Murasaki, on l'a déjà vu tout à l'heure, le violet. Oui. Et iro, la couleur. La couleur du violet adouci. Une couleur violette un peu atténuée. Ah, mais en fait, c'est bien sur le mauve. On a l'impression que c'est hyper dur. Et en fait, c'est peut-être. Si tu connais la couleur du violet, c'est trop facile. C'est trop facile. Couleur du violet adouci. Le mauve. Trop simple. Trop, trop simple. Également, une autre manière de le dire qui est issue du français, qui est mauve. Bon, je vais dire celle-là, plutôt. Je vais plutôt dire celle-là. Non, mais au moins, tu apprends un nouveau kanji, c'est Allez, bien. On part dans les nuances des couleurs avec le magenta, qui se dit en japonais mazenta. Ça va. Ça va. Mazenta. Le cramoisi. Cramoisi. Se dit en japonais kurenai. Kurenai. Alors pourquoi est-ce que je vous mets le cramoisi plutôt qu'autre chose, le vermillon ou
que sais-je. Kurenai. Parce que c'est un mot qui est très, un kanji qui est très très important en japonais. Kurenai, Kurenai, c'est le personnage dans Naruto, encore une fois. Le seul un personnage féminin, je saurais pas comment la décrire. C'est le seul personnage de Naruto qui a des yeux rouges, mais qui n'a pas de Sharingan. Elle a juste un petit cercle. Elle est... Ouais, Kurenai Sensei, elle est pas en couple, mais elle est... Si, elle est en couple avec l'autre, là, le Sensei de Shikamaru. Je sais plus comment il s'appelle. Et Kurenai... Bon, bref. Méga bonne. Putain, j'étais pas prêt. Je ne dirais pas qui a dit ça dans le chat pour pas choquer la rediffusion YouTube. Et du coup, je suis très curieux de ce qu'il va dire, là, Julien, pour l'explication du kanji, du cramoisi. C'est le mot avec lequel on écrit, par exemple... Momiji, les feuilles hein, d'érable qui rougissent un peu, donc qui prennent un peu cette couleur cramoisie à l'automne, c'est quelque chose de très 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 japonais. Et puis on a également Kuchibeni, le rouge à lèvres, donc voilà, les lèvres qui deviennent un peu cramoisies, un mot qui est très 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 utilisé, d'ailleurs que vous connaissez peut-être, hein, Kurenai, parce que dans Naruto, on a un personnage qui s'appelle comme ça, qui d'ailleurs a les yeux et les lèvres très 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 rouges. On tombe bien sur le rouge à lèvres, etc. Tout est lié. Putain ! C'est fou, ça ! Le cyan se dit en japonais cyan. Il a dit chiant ? Ça se dit chiant, c'est ça ? Ah, très bien. Non, mais par contre, pour Kurenai, c'est fou. Je ne pourrais jamais l'oublier. Cramoisi, c'est Kurenai. Et putain, c'est trop bien. Je m'en servirai pas tous les jours, mais au moins, je le sais. Chiant ! Le bleu clair se dit en japonais Mizu Hiro. Mizu Hiro. Littéralement la couleur de l'eau. Oui, 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 c'est l'eau. Mizu. Mizu. Mizu Kage, c'est ça. L'indigo se dit en japonais Indigo. Oh, c'est peut-être le plus dur celui-là. Bon. Avec celui-ci, on a fait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et d'ailleurs, bah, couleur arc-en-ciel se dit en japonais. Niji Hiro, littéralement la couleur de l'arc-en-ciel. Niji, c'est l'arc-en-ciel. Quand vous avez, je ne sais quoi, un reflet Niji. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, Niji Hiro. Niji, c'est l'arc-en-ciel, ok. Niji Hiro. Pour finir, l'or se dit en japonais Kin Hiro. Tais-toi, Julien, parce que je le sais. Ça, c'est le kanji de l'argent. Je l'ai reconnu. Donc, c'est la couleur de l'argent. Mais du coup, c'est suspect parce que tu te dis l'argent, mais l'argent, c'est de couleur grise. C'est comme le métal. Et ben non, parce que c'est l'argent, la thune, la moula. Hein ? Attention. Et attention. Attends. L'argent, ça se prononce comment ? Oh. Attends. Non, mais attends. L'argent, ça se prononce pas kin. Ça se prononce. On met un O devant pour être poli. C'est pas genre ou quelque chose. Au canet, c'est ça. Comment j'ai coupé la parole à Julien, je suis désolé, vas-y, pardon. Comme pour Chairo, on a l'exception Kin et lui en sino-japonais, Hiro en purement japonais. Ah, mais oui, je suis con, c'est pour ça. Tout simplement parce que le kanji de Kin, quand il signifie le mot or, n'a pas de lecture purement japonaise. Hein. On peut le lire Kané, mais à ce moment-là, ça veut dire l'argent, la monnaie. L'or n'a qu'une lecture sino-japonaise, Kin. Du coup, on va la mélanger. Kin Hiro, ça se fait comme ça. Attends, Julien, est-ce que tu peux m'expliquer ? J'ai peur d'avoir pas compris. En gros, le kanji de l'argent, si tu le lis en purement japonais, ça signifie l'argent. Kané, okané. Et si tu lis le kanji en sino-japonais, donc en katakana, qui se dit kin, ça veut dire l'or, c'est ça ? Et donc, quand tu rajoutes couleur, ça fait la couleur de l'or. Voilà, exactement. Putain, mais alors quelle chance, du coup, que ce soit or et argent, du coup, tu vois, un petit peu... Putain, mais il y a tellement de... Enfin, je possède pas le fait de pouvoir manier la langue, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire comme des jeux de mots, ou des... pas des blagues, mais tu vois, des... De faire des... Je sais pas. La matière argent, c'est un autre kanji. Ouais, je pensais pas à la matière argent, je pensais à l'argent, hein, le fric. Donc le fric et l'or ont le même kanji... Mais il faut être en purement japonais ou sino-japonais, en hiragana ou en katakana pour dire l'un ou l'autre. C'est... Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, c'est intéressant. Ok, merci, Julien. Bien. On a terminé avec cette liste. Maintenant que vous connaissez plutôt pas trop mal les kanji, tout ça, je vous apporte une petite nuance.
Beaucoup des mots composés qu'on a vus dans cette liste peuvent aussi se lire en lecture sino-japonaise. Hein. Par exemple, Ki-iro qu'on a vu pour le jaune peut se lire en sino-japonais O-shok. O, lecture sino-japonaise de Ki. Shok, lecture sino-japonaise de Iro. Donc O-shok, ça existe. Ok, choc, Dans le même choc, genre, choku, choc. Hai-iro, la couleur du cendre, peut se lire Kai-shok. Kai. Donc, encore une Les fois, cendres, c'est c'est Kai. possible, c'est plus rare, hein, le terme le plus employé, eh bien le terme, comme je vous l'ai dit dans la liste, en purement japonais. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Putain, déjà, mais il était trop bien Continuez ce de bien cours. travailler. Il était trop bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Twitter, sur Facebook. Quant à À moi, moi, je je vous souhaite dis, une bonne je vous journée souhaite et une vous donne bonne journée. rendez-vous au prochain cours. Le sourire, parce que t'as fait un super cours. Ce cours-là, il va. Mais j'ai tellement envie de les apprendre par cœur. C'est le nom des couleurs. Je trouve que trop de logique. Ça va m'apprendre plein de kanji pour d'autres mots. Ce cours, il était trop bien. Ça a été mon cours préféré. Mais étonnamment, les cours de vocabulaire, c'est les plus durs à assimiler parce que c'est du par cœur. Mais c'est vraiment les plus agréables à regarder et à comprendre et à étudier et à apprendre ensuite. C'était trop, trop, trop bien. On peut applaudir. J'aimerais bien des emojis et des emotes applaudissements dans le chat pour Julien, s'il vous plaît. Vous êtes en droit parce qu'il est là, il va vous lire. Félicitez Julien. Allez vous abonner à son Twitter, son Instagram, sa chaîne YouTube. Il le mérite complètement, ce garçon. C'est abusé. Quelle chance on a de. Il fait partie du patrimoine français maintenant. Il sera. Bon. Julien, je te le dis, hein, tu seras au Panthéon. 100%, tu seras au Panthéon, c'est fantastique. Nous allons maintenant avoir le cours sur les noms de familles japonais qui devrait apparemment nous faire comprendre plein de choses. Je rappelle que dans le chat, vous ne pouvez pas mettre plus de 14 emojis, s'il vous plaît. Ça, c'est du spam sinon. Putain, ce chat que j'ai actuellement est horrible parce qu'il n'y a que des messages du bot qui dit message supprimé, message supprimé. Mettez pas plus de 5 emotes, ça suffit amplement, c'est bon. Du coup, le cours sur les noms de famille japonais, est-ce que vous êtes prêts? Moi, oui, en tout cas. Et puis, en plus, je ne vous attends pas. Donc, nous sommes partis. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de De japonais. japonais. Tan, 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 tan. Tan, tan. Merci, Dilou, pour les beats. Dans le cours précédent, nous avons vu qu'il existait des cas particuliers aux règles d'utilisation des lectures purement et sino-japonaises des kanji. Ok. Je vous ai aussi dit qu'il existait un dernier cas particulier, celui des noms de famille japonais. Oui, c'était le 13e. Et nous y voilà. Allez, on Alors, écoute. déjà, les prénoms et noms de famille japonais s'écrivent en kanji. Ah bon? De temps en temps, ça peut s'écrire en hiragana, voire même en katakana, surtout en ce qui concerne les prénoms, mais dans ce cours-là, on va pas du tout se pencher sur les prénoms japonais. On verra plus tard dans un autre cours si ça vous intéresse. D'ailleurs, je suis sûr que ça vous intéresse. Mais les prénoms japonais, pour être poli, c'est le bordel. Vous verrez qu'on peut mettre n'importe quelle lecture sur n'importe quel kanji pour faire des trucs un peu symboliques, mettre un sens sympa. On verra que c'est un peu un bac à sable très 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 complexe qui offre plein de possibilités. Pour l'instant, on n'est pas du tout là-dedans. On verra ça Ok. plus tard. On se concentre sur les noms de famille japonais. Donc chaque famille a son propre Alors, les noms de famille kanji. japonais, à l'inverse, c'est quelque chose de très simple. Dans la grande 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 majorité des cas, les noms de famille japonais, c'est toujours deux kanji. Ah, ou deux kanji. Et là où c'est un cas particulier, c'est Je vous fais une pause, hein. Les noms de famille japonais, c'est comme les noms de famille français. D'accord? Quand tu rencontres une nouvelle personne que tu ne connais pas son nom de famille. Tu la prends. Ah, tu la prends. Toi-même par cœur, mais là c'est pareil. Donc là il va nous expliquer comment ça fonctionne, mais on ne va pas avoir une liste de j'imagine de noms de famille à apprendre par cœur. Enfin, peut-être les personnages les plus connus, mais on verra. c'est justement qu'ils sont lus en lecture purement japonaise. Tout simplement parce que les Japonais n'ont pas attendu d'avoir des kanji et donc des lectures sino-japonaises pour avoir des noms de famille. Alors, les noms de famille, comment ça s'est donné au Japon? Bah, c'est à peu près la même chose qu'en France et c'est à peu près la même chose que dans beaucoup de pays du monde. Les premiers noms de famille ont été donnés par rapport à la situation géographique de la personne en question, là où elle habitait par exemple. On verra que par exemple, un mec qui habitait au milieu d'une rizière, bah, on écrit son nom de famille avec le kanji de la rizière et du milieu. Pas de Bon. bol. Et du coup, tous ces noms de famille ont été bien sûr créés en lecture purement japonaise. À l'époque, on avait juste bah, les mots purement japonais. Du coup, même si aujourd'hui en kanji, on a deux kanji mis à côté, on reste en lecture purement japonaise. Puis en plus de ça, bon, les noms de famille, c'est quelque chose de
traditionnellement très japonais. Vous savez que les Japonais aiment bien tout ce qui est... on reste bien dans la tradition japonaise, donc on reste bien en purement japonais. Ok. Alors, je vais vous donner une liste de, allez, 1, 2, 3, 6, de 10 kanji. Une liste de 10 kanji avec lesquels on va pouvoir créer plein de noms japonais. Alors, ces kanji, je les ai sélectionnés, ce sont ceux que l'on retrouve le plus souvent. D'accord. Dans les noms de famille japonais. Et du coup, on va pouvoir créer plein de noms de famille. Et avec tous ces noms de famille qui sont très 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 communs, très répandus au Japon, on va couvrir des millions et des millions de Japonais. Parce que on va prendre les noms de famille les plus courants, qui sont très 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 portés au Japon. Du coup, on va, juste avec ces 10 kanji, couvrir, je dirais pas un quart des Japonais, mais beaucoup de millions de Japonais. Pouah ! Alors, c'est énorme ! On commence par le kanji ta, la rizière. Bon, de base, je vous écris ça en hiragana, c'est une lecture purement japonaise, et je ne vous donne que la lecture purement japonaise. Hein. Tous les kanji qu'on va voir, on ne va utiliser que lecture purement japonaise, donc là, ça sert à rien quoi, lecture sino-japonaise. Alors, la rizière, en quoi c'est important ? Tout simplement, ce kanji, c'est absolument la base du nom de famille japonais. À la base, à l'époque, il y avait énormément de rizières au Japon, parce que les Japonais vivaient essentiellement de la riziculture, consommaient, cultivaient énormément de riz. Du coup, quand on a donné les noms de famille, beaucoup de noms de famille se sont composés à partir du mot rizière, et c'est toujours le cas aujourd'hui. La rizière. Deuxième kanji, naka, le milieu. Alors, on verra que ce ne sera pas toujours des termes de paysage qu'on retrouvera dans son famille, mais aussi des termes de situation. Voilà, le milieu. Par exemple, le mec qui habite au milieu de la rizière utilisera beaucoup le kanji de naka, le milieu. Ne faites pas de blague sur Nakamura. Yama, la montagne, que vous connaissez déjà bien. Kuchi, la bouche. Alors, Kuchi. Pourquoi la bouche ? En fait, on verra que quand on met, par exemple, une bouche dans une montagne, ça fait une grotte. Vous imaginez la montagne avec sa bouche. Du coup, voilà, c'est le sens de la bouche, mais pas dans le sens de la bouche humaine, on va dire. Ensuite, kawa, la rivière, très important, celui-ci. Shima, l'île. Alors là, on est sur un kanji un peu plus compliqué, mais très 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 utilisé dans les noms de famille japonais. Vous savez que le Japon est un archipel qui n'a pas 4, 5, 6 îles, comme on a tendance à le penser, mais il y en a des milliers. Et du coup, le kanji de l'île va être très 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 utilisé. Petite pause, si je dis pas de bêtises encore une fois, mais je peux en dire une, ce kanji là, si tu gardes, si t'enlèves juste cette petite partie là, hop, toi c'est trop ça, tu l'enlèves, tu gardes tout ça, ça tu gardes, le grand trait comme ça qui revient, tu gardes, et tu mets 1, 2, 3, 4 petites plumes, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le kanji de l'oiseau. Attends, je vais vérifier que de pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact ! Yes ! Tu vois ? Je les ai même pas appris par cœur, mais c'est juste je les ai vus 3-4 fois. Oui, et ils ressemblent aussi au kanji du cheval. Alors lui, je sais plus comment il se fout le kanji du cheval, mais on s'était déjà fait la réflexion que oiseau ressemblait à cheval. Et tu vois, avec toutes ces petites réflexions qu'on se fait durant les streams, je suis désolé, mais petit à petit, ça rentre tout seul. Et ouais, les kanji commencent à se ressembler un petit peu. Alors on peut dire qu'il y en a 2000, 4000, 20000, je sais pas quoi, mais... Il y en a pas mal qui ont l'air d'avoir la même forme et qui changent un petit peu. Et c'est facile de se faire des moyens mnémotechniques en disant « Ah oui, celui-là, il ressemble à celui-là. Ah oui, alors du coup, ça fait ça et tout. » Donc, ça me rassure. Au fond de moi, ça me rassure de me dire « Voilà, c'est à portée, on peut le faire. » Ensuite, Matsu, le pin, l'arbre. Et oui, il y a beaucoup de pin, beaucoup de pin au Japon. Mais là, on a le kanji de l'arbre aussi. L'origine. Alors là, c'est comme Naka, du paysage, mais c'est plus de la situation. Hein, voilà. L'origine, ici, ça peut être la base, au pied de, en dessous. Ça veut dire, ça veut aussi dire dans des exemples. Le livre. C'est le même kanji que le livre, on l'a déjà vu, mais ici, non, c'est bien Moto, la lecture purement japonaise, qui signifie l'origine, la base. Moto. Miya, le palais. Ça peut aussi vouloir dire le sanctuaire. On verra qu'il y avait plein de petits palais au Japon. Du coup, ça a donné pas mal de petits noms de famille sympathiques. Et pour finir, le dernier, Saki, le promontoire. Un promontoire, vous savez, c'est comme c'est une sorte de morceau de terre surélevé au-dessus de la mer, en bord de mer, très souvent ça, au Japon. Alors, avec ces 10 kanji, on va pouvoir créer plein de noms de famille. Donc, en les mettant à côté, on reste bien sûr en lecture
purement japonaise, et puis on regarde ce que ça donne. Alors par exemple, avec Ta et Naka, moi je crée Tanaka. Voilà, donc comme je vous disais, le mec qui habite au milieu d'une rizière, bah, on lui a donné nom de famille, Tanaka. Tanaka, tout simplement. On peut aussi dire d'ailleurs, hein, à l'envers, Nakata. On va les congés dans l'autre sens. C'est aussi un nom de famille qui existe. Qui veut dire la même chose. Tanaka, pour l'anecdote, c'est un des noms de famille les plus portés au Japon. Il y en a énormément, énormément. C'est un peu comme Martin en français. Ouais. Ensuite, avec Yama, bah, je peux faire par exemple Yama plus Ta, Yamada. Et ouais, hein, la règle des accents, hein, quand on met deux kanji ensemble, ça marche, c'est toujours d'actualité. Donc Yamada, Yamada, c'est un mec qui devait habiter à côté d'une rizière, et puis il devait y avoir une montagne à côté, donc Yamada, qui est aussi un nom de famille très 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 porté au Japon. On peut bien sûr mettre ça dans l'autre sens, hein, Ta-Yama, ça existe également comme nom de famille. Ok. Avec Yama, je peux faire aussi Yamaguchi, hein, donc Yama plus Kuchi devient Yamaguchi. Et oui, donc je vous parlais tout à l'heure de la grotte, hein, la bouche dans la montagne. Avec Kawa, et puis Shima, tiens, je vais vous faire Kawashima, Kawashima, et oui. Ah mais on connaît ça. L'île et la rivière. Il n'y a pas un... Ah oui, professeur un, Kawashima, un docteur, l'entraînement cérébral du docteur Kawashima chez Nintendo, un truc comme ça. Si, il me semble que ça existe, hein. À vérifier, il me semble que ça existe. Ah putain. Ensuite, avec Matsu, le pain. Rivière et île, bah, okay. Je vous reprends la rizière et je vous fais Matsuda. Matsuda, c'est ouais, un personnage, Matsuda. Ça Matsuda, qui est un nom de famille très porté au Japon, qui a... Dans quel animé, Matsuda? Oh, Matsuda. Matsuda. C'est dans quel animé? C'est très connu, mais je sais plus si c'est Matsuda. C'est dans Death Note. Oui, c'est le policier un peu... un petit peu, tu vois, un petit peu fragile, un petit peu chétif, bien qu'à la fin, il a un putain de rôle important. Mais c'est celui le plus... Ouais, Matsuda, ok. Il a donné nom à son nom à la marque Mazda. Alors, nous, on la prononce bien Mazda avec le Z, mais il faut savoir que ça a été écrit comme ça. En fait, ça a été stylisé à l'allemande. De base, la marque, c'est Matsuda, et on l'a stylisé en romaji, mais à l'allemande. Hein. Vous savez que le Z, en allemand, se prononce Z. Z. Donc voilà, ça, en allemand, ça se prononce bien Mazda. Du coup, on retrouve bien notre nom de famille Matsuda. Pour l'anecdote, hein, sachez que quasiment toutes les marques japonaises que vous connaissez, notamment de véhicules, de moteurs, etc., etc. C'est quasiment tout le temps des noms de famille, hein, le nom de famille de la personne qui a créé l'entreprise au Japon. C'est pas tout le temps le cas. Par exemple, Nintendo, ça n'est pas un nom de famille à la base. Ce qui serait classe, par contre. Ensuite, avec Moto, on va pouvoir créer plein de noms de famille. Ouais, par exemple, bah, Yamamoto. Et ouais, le mec qui habitait en bas d'une montagne, Yamamoto. Yamamoto, qui a dérapé. Sur la blague que vous avez toute faite au moins une fois dans votre vie, Yamamoto dans le garage. Non, ici, c'est Yamamoto. Voilà d'où ça vient, ce fameux Yamamoto. Je suis tellement raciste. 20 millions de fois en France, donc c'est drôle. Matsumoto. Et ouais, Matsumoto, pareil. Matsumoto. Matsumoto qui est très porté au Japon. Il me semble qu'il y a un acteur qui est sacrément beau gosse d'ailleurs, Matsumoto Jun, si je dis pas de bêtises, qui fait des dramas, etc. Ah, je sais pas la ref. Qui rend les filles assez. Jean-Claude assez Nintendo. Si je suis sûr que Kuromai, hein, la Kira Design des cours de japonais, je suis sûr que ça la rend pas insensible, Matsumoto. Matsumoto Jun. Bon. Ensuite. Eh ben avec moto, on peut faire par exemple Miyamoto. Et ouais, le mec qui habite en bas d'un palais. Et oui, Miyamoto comme Shigeru Miyamoto, le mec qui a créé Mario, Zelda, etc. etc. Tu Alors, c'est pas lui qui habitait en bas d'un palais, d'un mais palais. C'est ses ancêtres. Lorsqu'ils ont récupéré le nom de famille, et ben, c'est comme ça que ça s'est créé. Puis avec Miya, on peut faire par exemple Miya plus Saki pour faire Miyazaki. Miyazaki. Oh Hayao Miyazaki, le créateur de chez Ghibli qui a fait notamment Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, etc., etc. Je pense que vous connaissez tous ce cher Miyazaki. Donc voilà, voilà comment avec ces 10 kanji, on peut créer bah, absolument plein de noms de famille japonais. Là, je vous dis, avec cela, on a couvert énormément de japonais parce qu'on a créé bah, les noms de famille les plus courants qui sont énormément portés. Bien sûr, il n'y a pas que ces... Vous vous rendez compte que là-bas, au Japon, quand tu donnes ton nom de famille, le mot de ton nom de famille, il veut dire quelque chose? C'est trop stylé, nous en France et dans plein d'autres pays, les noms de famille, c'est juste des mots, mais qui ne veulent rien dire en fait. Ils n'ont pas de signification propre. Là-bas au Japon, ça a une signification, une définition, et ça c'est trop... Je sais pas si c'est logique, mais c'est trop stylé. C'est trop bien.
t'ai dit kanji là, il y a plein d'autres kanji avec lesquels on peut créer dans nos familles. En fait, il y en a énormément. Qu'est-ce qu'il y a comme nom de personnalité, par exemple? Bah, si je prends, par exemple, Toriyama Akira, hein, la personne qui a créé Dragon Ball. Non, mais vous me donnez des exemples, je suis d'accord. Mais moi, là au Japon, c'est tous les noms de famille qui sont pris en compte. En France, on n'a pas tous les noms de famille qui veulent dire quelque chose de particulier. Dragon Ball, Tori, c'est un kanji que vous connaissez. C'est l'oiseau. C'est l'oiseau, il est là, regardez. Yama, bah, c'est la montagne. Donc, on suppose qu'il habitait son ancêtre dans une montagne avec des oiseaux. Toriyama. Toriyama. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est pour ça que Toriyama Akira a créé le Bird Studio, qui se représente souvent avec une casquette avec marqué Bird. Un bird, oiseau en anglais, bah, ça vient de Toriyama, l'oiseau. Et oui, tout s'explique. En restant dans les mangaka, il y a par exemple Eiichiro Oda. Ah, c'est One Piece. Eiichiro Oda, qui est le créateur de One Piece, qui s'écrit avec le kanji de la queue et le kanji de la rizière. Voilà, Oda, en deux kanji comme ça. Bon, t'as pas une définition, par exemple, forcément, Masashi Kishimoto, ça, c'est créateur Naruto. De Naruto, pour ceux qui connaissent. Alors, Moto, on connaît déjà. Kishi, qu'est-ce que c'est? C'est la rive. Et oui, donc rive plus en bas de l'origine, il devait habiter en bas d'une rive. Kishimoto, tout simplement. Tout simplement. Puis pour finir, on va parler de ce bon vieux Hideo Kojima, créateur de Metal Gear Solid, que vous connaissez tous, je pense, au moins de nom. Alors le ko, c'est très simple, on l'a déjà vu, c'est pour dire petit. Suffixe, enfant, hein, ouais. Le préfixe petit, ko plus préfixe, shima, okay, oui. Kojima. Petite île. C'est et oui, c'est vous voyez, c'est hyper simple. C'est hyper simple, les noms de famille japonais. On a deux kanji qu'on lit en lecture purement japonaise. Et puis, ça nous permet de comprendre le nom de famille des personnalités. Toriyama, c'est la montagne avec les oiseaux. Kishimoto, c'est au pied, en contrebas d'une rive. Voilà. Et si vous arrivez à retenir ça, parce que le nom de certains mangaka, le créateur de Naruto, de One Piece, tout ça, celui des studios Ghibli, le mec qui a créé Mario, tout ça, c'est forcément des noms de base, vous les avez. C'est pas sûr, mais dans la culture, je sais pas comment on dit, mais dans la tête des gens en général, c'est des noms qu'on connaît plus ou moins, ou du moins, enfin, on les connaît. Mais du coup, sans le savoir, vous connaissez déjà des... pas visuellement les kanji, mais le son des kanji, et leur définition, donc vous savez dire montagne, vous savez dire oiseau, vous savez dire rive, rivière, origine, et du coup, ouais, l'inconscient collectif, c'est exactement ça, Julien, le mot que je cherchais. Et du coup, c'est cool parce que on a déjà du travail qui a été fait d'avance, en fait, et ça nous sert, on a déjà des petites bases de japonais sans qu'on le sache, mais à chaque cours de japonais, on se rend compte qu'on a déjà des bases sans le vouloir, et ça fait grave plaisir. Kojima, petite île, donc c'est hyper simple, ça demande pas énormément de connaissances en japonais, c'est des kanji de base, hein, très basiques. Et ça permet de comprendre tout ça. Je pense que c'est quelque chose de super sympa, de très intéressant. Bon, pour être tout à fait exhaustif, il existe en japonais quelques noms de famille prononcés en lecture sino-japonaise. Donc on est toujours sur un format de deux kanji, mais lu cette fois en lecture sino-japonaise. Donc ils se sont créés après l'introduction des kanji au Japon. On a par exemple Endo. Endo, qui est un nom de famille alors très 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 porté au Japon. Moi, quand j'étais à l'université, que j'apprenais le japonais, il y avait une japonaise qui était en année d'échange qui s'appelait Endo, qui était super sympa d'ailleurs. Voilà, alors, notamment le deuxième kanji là, c'est Fuji, hein, la glycine, donc lecture sino-japonaise, To, ici, hein, transformé en Do, qu'on va beaucoup utiliser. Parfois en purement japonais d'ailleurs, hein, je pense au mangaka Fujishima, Kosuke Fujishima, voilà, donc l'île avec les glycines, Fujishima. Bon, on reste dans nos sino-japonais, on a un autre nom de famille sino-japonais qui est très 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 porté au Japon, c'est Sato, et oui, Sato, on retrouve encore une fois notre glycine, To, qui est très utilisé pour les noms de famille sino-japonais. Voilà, donc... ça arrive qu'on en ait des signaux japonais. C'est beaucoup moins fréquent, hein, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Notamment Endo, qui est très 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 porté. Voilà. Du coup, j'espère que cette petite explication des noms de famille japonais vous a plu. Hein. Donc, je répète, hein, bien un cas particulier des kanji. On est bien sur un format de deux kanji, mais qu'on ne va pas lire dans la plupart du cas en lecture purement japonaise, mais bien en lecture sino-japonaise. Ah. Pardon. Tu t'es trompé. Et du coup voilà, et même pour la culture générale, c'est quand même ultra intéressant. Ah ouais, putain de ouf. De savoir comment ça se forme tout ça. On verra plus tard qu'il est possible d'écrire un des prénoms étrangers, le vôtre, le mien par exemple, et des noms de famille en kanji. Alors,
Ah oh, De base, ça s'écrit en katakana, c'est comme ça que ça se fait. Mais avec un peu de fantaisie, un peu d'imagination, puis quelques règles hein, qu'on verra plus tard, c'est possible de les écrire en kanji. Du coup, je ferai une leçon là-dessus bien plus tard, si ça vous intéresse, mais je suis sûr que ça vous intéresse également. Oui. Du coup, vous apprendrez à sortir à la fin de l'année. Non, en kanji. Ça sera le cadeau de Noël alors. Ce sera éventuellement quelque chose de faisable. Putain, cette vidéo est sortie en 2016. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Tu prévois 4 ans à l'avance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Oh, c'était vous bien. Retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Ah merci, il était cool. Go lire la description maintenant pour un détail en plus. Ok, c'est coupé, mais je vais vous le lire. Notez qu'il existe également certains noms de familles mêlant lecture purement et sino-japonaise. Par exemple, Ah, là, vous pouvez le voir. Ok, parce que là, il y a le kanji de origine et il y a le kanji de... c'est le premier qu'il avait montré. Est-ce que je vais tricher vite fait? Hop là, tu peux me... Chipel. La rizière. Ok, le kanji de la rizière. Ben, je m'en souviendrai maintenant. Alors, origine rizière qui se dit... Honda. Honda. Ici, le kanji origine utilisé dans le sens du... Ah, du livre. Autant pour moi. Ok, c'est dans le sens du livre. Dans le sens du livre, n'a pas de lecture purement japonaise. On utilise donc la lecture sino-japonaise hon, comme s'il s'agissait d'un terme purement japonais. Nice. Oh, j'ai tellement hâte d'écrire mon nom de famille en kanji. Pour l'instant, je sais juste l'écrire Kuleman Fualodo. Enfin, non, on avait appris que maintenant on savait faire le FA. Fualodo. Kuleman Fualodo. Mais est-ce que je vais apprendre avec des kanji un jour? Ça va être trop bien. Allez, on va maintenant passer... Bonjour à tous. Je suis trop en forme. On va passer à un nouveau cours maintenant. Vous avez vu, il n'y a pas d'exo aujourd'hui. C'est que de l'apprentissage, paf, de la compréhension, paf, de la logique. Qu'est-ce que c'est agréable. On va apprendre à tracer et apprendre les kanji. Ben, fallait bien qu'on y passe. On l'avait fait pour l'hiragana, les katakana. Mais là, c'est tracer et apprendre. Est-ce qu'il a des... C'est ça qui va être intéressant. C'est est-ce qu'il a des... Mais je pense que oui. Putain, pourquoi j'ai pas le mot qui me vient en tête tout d'un coup? Des astuces. Est-ce qu'il y a des astuces pour apprendre les kanji par cœur? Donc j'ai souvent vu dans le chat passer les gens qui employaient le terme de clé. Il y a des clés, c'est-à-dire qu'il y a des dessins dans les kanji qui se répètent souvent pour le coup, comme celui de l'enfant qu'on a vu plusieurs fois. Donc voilà, inutile que je fasse le cours à l'avance. Il nous l'expliquera bien assez bien. Donc du coup, bienvenue et nous sommes partis pour ce nouveau cours de japonais. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Il est chaud là, il veut enseigner le gars, il est chaud, vas-y. Allez, paf, 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 paf. Vous vous souvenez, on avait fait une leçon ensemble sur comment bien tracer et apprendre les kana. Ouais. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec les kanji. On va voir que bien tracer un kanji facilite énormément l'apprentissage justement de ces nombreux idéogrammes. Vous verrez, ça facilite tout. Un kanji est caractérisé déjà par son nombre de traits. C'est l'unité de traçage d'un kanji, le trait. On verra exactement à quoi ça peut correspondre. Chaque trait va être tracé dans un ordre. C'est ce qu'on avait déjà vu avec les kana. Sauf que ici, les kanji étant beaucoup plus étoffés, beaucoup plus complexes que les kana, on aura plus de traits, donc un ordre plus long, plus important, on ira parfois jusqu'à 10, 11, 12 traits, oh là 23 là. Même. Oh là là. C'est pas une bêtise, hein. Dans mon kanji tokana, celui qui a le plus de traits en a 23. Mais il en existe des noms officiels qui ont encore plus de traits. Et puis le sens de chaque trait va être important. Hein. Si un trait, on va le faire dans un sens ou dans l'autre, ça va aussi être important. Tout ça, ça va nous permettre de mémoriser beaucoup plus facilement un kanji, et puis de les reproduire aussi avec un certain automatisme qui rendra tout ça donc beaucoup plus accessible. Comme avec les kana, un kanji mal tracé, souvenez-vous, hein, on voit qu'il est mal tracé, on voit que les traits sont pas faits logiquement, c'est moche, ça paraît illogique visuellement. Hein. Et puis de toute façon, si jamais un jour vous voulez faire, je ne sais pas, de la calligraphie, c'est important de bien tracer les kanji. D'ailleurs, ce cours peut vous intéresser si jamais vous n'êtes pas du tout en train d'apprendre le japonais, mais que la calligraphie donc des idéogrammes chinois et donc japonais vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Cool. Pour bien connaître, pour apprendre en fait l'ordre des traits, vous allez avoir quelque chose d'absolument indispensable, c'est le kanji tokana. Là. Dictionnaire donc des kanji. Là. Entièrement rédigé en français, alors là. Ce truc c'est la bible, c'est une merveille absolue.
Je ferai une vidéo, c'est le cours suivant d'ailleurs, sur comment bien utiliser le kanji tokana. On verra un peu toutes les subtilités parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a l'ordre des traits. Pour chaque kanji présenté, on vous indiquera effectivement dedans hein, le nombre des traits, le sens des traits, etc. L'ordre de traits. Bref, bon, tout c'est ça, un petit, vous ne le voyez pas, mais il y a l'ordre des traits. En détail dans le cours suivant. Pour l'instant, on va commencer les généralités en expliquant bah, déjà comment tracer de base un trait dans un kanji. Alors, autant les kanas, je vous les ai montrés au cas par cas, autant ici, on va avoir des règles qui vont arriver très, très, très souvent. Alors, je t'écoute. Feuille, vas-y. Et je vous montre tout ça. Alors, déjà, il faut savoir que un trait horizontal va se tracer de gauche à droite. Ok. Comme ça. De gauche à droite, toujours classique. Un trait vertical va se tracer de haut en bas. Aussi, classique. Comme ça. On peut aussi avoir des traits obliques qui vont aussi se tracer de haut en bas, comme ça, ou comme ça. C'est, pas, voilà. c'est là, comme pour les... Kanji, je vous montre des traits, ça va être des compositions, des morceaux de kanji, en fait. Pour d'accord l'instant, on est comme sur les kanas. Donc voilà, un trait toujours de gauche à droite ou toujours de haut en bas. Alors, on va avoir parfois quelques traits qui remonteront, notamment dans ce qu'on appellera les clés, c'est ce qu'on verra plus tard dans le cours. Notamment, regardez cette clé, je la fais comme ça, et ce trait... Je fais juste une petite pause. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas de l'acheter, le livre, d'accord ? Moi, je l'achète parce que je vais y aller à fond. Mais si vous... Enfin non, c'est pas très légal ce que j'allais dire. J'allais dire à chaque fois que je... Ouais non, j'allais dire un truc... non, je vais avoir des problèmes. Mais on se démerdera, d'accord hein. Ok, si vous avez compris ce que je veux dire. Il remonte un peu, voilà. Ça c'est la clé de l'eau qu'on verra plus tard. Ça arrive, mais ce sera effectivement précisé quand ça arrivera. Un trait, c'est pas forcément un segment, hein. Ça peut changer de direction. Je veux dire, voilà, regardez ça... Je change de direction, c'est considéré comme un seul trait. Hein. C'est oui. pas parce qu'on a deux segments en géométrie que non, non, voilà. Ça, c'est un seul trait. Mon pinceau n'a pas été levé. Donc voilà, un trait, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. Et puis ça peut aussi changer parfois beaucoup de sens. Ça, c'est un par katakana. Exemple, ça, c'est un seul trait. Alors, on va avoir parfois des traits qui font un peu des zigzags. Ça arrive. Voyons maintenant tout ça dans un kanji. Donc, c'est-à-dire qu'on va mélanger, on va utiliser plusieurs traits en même temps. On a encore une fois quelques règles qui vont nous permettre de bien agencer tout ça, parmi lesquelles il y aura toujours des exceptions. Je ne rentrerai pas dans les détails. Si jamais vous êtes intéressé voilà, par l'apprentissage des traits dans les kanji, vous aurez tout ça dans le kanji tokana. C'est long, hein, il faut en regarder, il faut analyser plein de kanji pour se dire « Ah bah oui, là ça se fait plutôt comme ça, là ça se fait comme ça ». On comprend sans forcément avoir les explications écrites que voilà, plus on regarde des kanji lors des traits, plus on comprend la logique. Oui, voilà, là je sais qu'il faut le faire dans ce sens-là. Enfin, sans avoir l'explication officielle, ça rentre tout seul, hein, vous allez voir. Bon, pour l'instant, on va comprendre, on va regarder les règles de base. Donc, un kanji se fait du haut vers le bas. Vous voyez bien, hein, donc je fais mes traits de gauche à droite, de haut en bas, mais mon kanji, je le fais du haut vers le bas. D'accord ? Ok. Donc d'abord mon trait là, ensuite mon trait là, ensuite mon trait là. Ça c'est le E, le katakana. Mon kanji se trace aussi de gauche à droite. Ah, ça c'est la ça, c'est rivière. Kanji, ça c'est un kanji. Voilà, j'ai tracé mes trois traits de gauche à droite. Quand on va avoir un trait principal au milieu et deux petits traits de chaque côté, on les fait après. Ok. Voilà, comme ça. Comme pour le ho en quand on hiragana. Va avoir... ce que je vais appeler une croix, qui ressemble un peu à la croix chrétienne, on va d'abord faire le trait horizontal et ensuite le trait vertical. D'accord, on commence par l'horizontal. D'accord. Quand il y a la une section, croix. Hein, le, on appelle ça une section de trait, le trait est coupé par le trait vertical. Quand on va avoir des traits obliques qui se croisent, on va d'abord faire celui qui part d'en haut à droite, pour ensuite faire celui qui part d'en haut à gauche. Quand on va avoir un trait vertical qui traverse tout un kanji, comme ici, on le fait en dernier. Voilà, je fais mon kanji et hop, en dernier, je trace mon trait. Ce sera la même chose quand on aura un trait qui traverse un kanji horizontalement. Regardez, je fais mon kanji, hop là, hop là, hop là, et je finis par mon trait horizontal. D'accord. Voilà, ce sont des petites particularités. Que, tu pars quand t'as fini, c'est à la fin tu le pars. Que vous retrouverez dans tous les kanji principaux, et du coup qui permettent alors bah déjà de bien mieux savoir comment les tracer, hein, ça devient vraiment instinctif, et puis à terme bah, ça permet d'avoir voilà, une sorte d'automatisme dans l'écriture, dans l'apprentissage d'un kanji,
et tout devient plus, plus encadré, plus logique, et du coup, ça s'apprend mieux. Vous verrez que ça s'apprend vraiment mieux. Moi, j'ai fait énormément de progrès quand j'ai compris comment marchaient les traits dans les traits dans les kanji. Je vous dis pas de blague. À partir de tout ça, normalement, à partir de ces règles, à terme, vous saurez écrire absolument n'importe quel kanji. Par exemple, voilà, je vous écris des kanji avec le bon ordre des traits et le bon sens des traits. Voilà. 1, 2. Là, deuxième kanji. Alors, ça peut être des kanji plus ou moins complexes, hein. Regardez le troisième. Ah, attention, il va faire un truc dur là. Oh, c'est un miroir. Voilà, celui-ci, il est Wow! très, 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 très complexe. Voilà, j'ai fait un kanji simple, un kanji moyen, un kanji complexe. Et du coup, ici, voilà, instinctivement, je connais les ordres des traits, j'ai fait ça sans regarder un dictionnaire ni rien. Et les Ah! kanji ont été très 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 bien tracés. T'as écrit L'ordre des Smash traits est Bros? important beaucoup plus que dans les kanas, parce Oh! que regardez, ce genre de petits trucs là, ça c'est parce que j'ai bien compris l'ordre des traits. Ça, on retrouvera souvent dans les kanji, et puis quand on fera de la calligraphie, l'ordre des traits, on aura hein, parfois des petits. Parfois on lèvera pas le stylo, et puis on aura des trucs qui se baladeront. Par exemple, je sais pas, pour faire ce truc, voilà, si je le fais comme ça, là on comprend bien que voilà, j'ai bien compris que je pars ici, je vais là, donc l'ordre des traits est important, notamment en calligraphie, c'est ce qui permettra d'avoir de très 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 beaux idéogrammes. Je change de page. Hop là. Alors moi j'ai une question pour toi Julien. La réponse est sûrement logique, mais je pose quand même la question comme ça. Là je m'adresse aux gens qui nous écoutent, qui veulent apprendre le japonais, ils suivent les cours de japonais, et qui ont pour but de savoir parler japonais, lire japonais. Comment poser cette question ouais, je saurais pas comment le dire. Non, l'apprentissage des kanji, l'écriture est nécessaire pour apprendre à les lire et à les... et à le parler, ou alors c'est vraiment quelque chose en plus, juste si toi tu veux aussi en plus écrire. Tu vois, si... Non, tu peux pas passer... C'est indispensable, oui, tu peux pas passer à côté, d'accord. Tu peux pas passer à côté. Parce que par exemple, un kanji, quand tu lis un texte, tu le reconnais, tu sais comment le prononcer, tu connais sa définition, enfin tu sais ce que ça veut dire. Mais... Ouais, bon, d'accord, ok, non, ça, indispensable, tu as répondu à la question, d'accord. Attardons-nous maintenant aux clés. Alors les clés, qu'est-ce que c'est? Les clés, ce sont des petites parties de kanji. Ah d'accord, ok. On va le voir que l'on retrouve souvent, hein, qui reviennent souvent dans des kanji. Bon, en comparant plusieurs kanji, vous allez peut-être remarquer que, ah bah ouais, là, la petite partie à gauche, bah je la retrouve souvent, c'est souvent la même, je l'ai déjà vue, etc. C'est une clé, une partie de kanji, on Ah mais appelle ça une c'est clé. ça qu'on disait, donc Bon, les clés. alors, je vais vous montrer à peu près comment ça marche. L'étude des clés, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, mais de très intéressant, parce que si vous avez bien compris le principe des clés, les kanji, c'est... Franchement, Ah. je crois qu'il y en a à peu près... Il y en a 82, non, je dis pas de bêtises. Oh, ça va me C'est ça, il y plaire a ça. 82 clés à Ah, savoir. oh, ça va me plaire ça. Alors, vous n'êtes pas 82. obligé de les apprendre, hein, mais il y a 80 clés, 82 clés à avoir en tête. Hein, Je vous rappelle que 82, c'est un chiffre inférieur à la totalité des alphabets hiragana et katakana qu'on a déjà appris. Donc, c'est totalement accessible. On peut le faire. 82, on se dit, ah, oh, quand même. Non, c'est accessible. Ça passe. Enfin, je crois. Il y a 46 dans chaque alphabet. Donc, ça fait 92. Oh, je sais plus, en fait. Je dis des bêtises. Mais c'est quasiment comme les deux alphabets. Donc, du coup. 82, c'est totalement abordable. En 2 semaines, c'est bon, tu les as tous appris. Voilà, je voulais regarder une fois, ça y est, ouais, ok, sans avoir besoin de l'apprendre. Et une fois que vous avez bien ça en tête, mais les kanji, quand on ne connaît pas toutes ces règles, les kanji, on a l'impression qu'on a pris un papier, qu'on a fait n'importe quoi dessus, et puis voilà, hein, quand on est jeune, qu'on va au resto chinois, on voit les kanji, on se dit, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Waouh, et tout. Et en fait, quand on connaît ces clés, la règle des traits, etc., etc., on verra que les kanji sont très logiques. On arrive à, voilà, ce kanji, on se dit, ah bah voilà, là, on a la clé du cœur, on a la clé de la rizière, blablabla, ça se trace dans cet angle-là. Et en fait, ça nous permet de décortiquer un kanji, et vous verrez que bah, tout ça ne sera plus du tout effrayant. Ce sera même Ah, il y a de très la familier, vous logique. verrez. Il y a de la logique du coup. Alors, par exemple, une clé, qu'est-ce que ça peut être? Alors, il faut savoir que les clés, de base, sont très, très, très souvent inspirées de kanji existants. Par exemple, le kanji de l'homme, il est comme ça. Alors ça, on connaît. Les Jean. kanji les plus importants. Avec ce kanji de l'homme, on a créé une clé qui est celle-ci. On va la placer à gauche C'est le dans un kanji. I. Par exemple, on va créer ce kanji. Voilà, ça c'est le kanji du corps humain. Donc ici, bah, on remarque qu'à gauche, on a la clé de l'homme. Ouais, Et puis, l'homme. on va aussi retrouver cette clé de l'homme, toujours dans sa position à gauche,
dans ce kanji-là. Ça, c'est le kanji des relations entre hommes. Donc voilà, le corps humain, les relations entre hommes. Donc à chaque fois, on a un lien avec l'homme quand même. Hein. D'accord ? Ça, hein, vous verrez plus tard, c'est la clé du livre. Et ça, c'est la clé de l'intérieur. Mais pour l'instant, on se concentre sur notre clé qu'on retrouve sur chaque kanji. Troisième exemple, ce kanji, par exemple, ça veut dire fabriquer. Hein, fabriqué par un homme. Du coup, voilà, effectivement, on est bien, effectivement, on retrouve cette idée d'homme. Donc c'est important de bien connaître les clés. Voilà, ici j'ai la clé du livre, la clé de l'intérieur, voilà. Ce kanji-là, je le décris comment ? J'ai la clé de l'homme, la clé de l'intérieur, et du coup, j'ai pu très très bien analyser mon kanji. Et ça, c'est important. Je vous donne une autre clé. Cette clé-là, alors c'est une clé qui n'est pas un kanji de base. On a un kanji qui ressemble, qui est le kanji de la bouche, mais cette clé est beaucoup plus grande que le kanji de la bouche. Attention, cette clé n'existe pas toute seule. Ça, c'est la clé de l'enceinte qu'on va mettre autour d'un kanji. Alors regardez, par exemple, je vous trace ce kanji. C'est le pays, hein, donc avec ses frontières. Je trace un autre kanji dans lequel on retrouve cette clé. Ça veut dire un plan, un schéma. Voilà, donc avec des traits, etc., définis, hein, donc on retrouve la notion d'enceinte. Et puis, je vous trace un autre kanji utilisant cette clé, un peu plus complexe. Voilà, ça veut dire un jardin, un parc, donc voilà, effectivement fermé, avec une clôture. Donc, on retrouve bien, effectivement, cette idée de clé qui, alors, dans mon premier cas, elle était à gauche, ici, elle est tout autour. En fait, elle peut prendre différentes positions, cette clé. On va voir maintenant la clé du cœur. Alors, ma première clé avait deux traits, celle-ci en a trois. On voit maintenant une clé avec quatre traits. Donc ça, c'est le kanji du cœur, il existe tel quel. Et puis, ici, je vais l'utiliser en bas. Alors, je trace mon kanji. Voilà, on reconnaît bien la clé du cœur qui est en bas. Truc, ça. Ça veut dire penser. Hein, donc voilà, on pense avec son cœur, etc., etc. Un autre kanji qui utilise cette même clé. Voilà, on a bien mon kanji du cœur en bas, ça veut dire mauvais, voilà, un cœur mauvais, un cœur maléfique. Regardez bien comment il trace les traits à chaque fois. Complexe. Regardez l'ordre et d'où il part. Hein. Quand il relâche le crayon et quand il le maintient. Voilà, ça veut dire le sentiment, hein. Encore une fois, le ressenti, quelque chose que l'on sent avec son cœur. Donc vous comprenez bien, je peux avoir ma clé soit à gauche, soit tout autour, soit en bas, en fait, elle peut prendre différentes positions. Regardez, je change encore de feuille. Je vous trace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits carrés. 1, 2, 3, 4. Hop. Voilà, j'ai mes 9 petits carrés. Vous imaginez, ça, c'est un kanji. Alors, bon, vous avez remarqué que tous les kanji rentrent dans un même carré, de même taille. Hein. Comme pour les kanas d'ailleurs, hein, tous les caractères japonais font la même taille, ils rentrent dans un... Quelle que soit leur complexité, le nombre de traits, ils rentrent tous dans un même carré. Hein. Ça, c'est important de bien le voir. Mm-hmm. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on regarde un texte japonais, on a l'impression que tout est rangé en ligne, et puis on peut même lire en colonne. Bon, bien sûr, il faut bien distinguer les lignes des colonnes, mais c'est bien, c'est propre, c'est tout aligné. C'est très joli d'ailleurs. C'est bon, je m'en suis occupé, Littolo. Une clé peut être à gauche du kanji, comme ça. Elle peut être à droite du kanji. Elle peut être en haut. On appelle ça une couronne. Elle peut être au pied du kanji. Elle peut être ici, en haut et sur la gauche. Elle peut être en haut et sur la droite. Alors, ça va être des clés qui font des formes. Je coupe deux secondes. Pour ceux qui regardent mes lives Animal Crossing, ça devrait vous rappeler quelque chose qu'il est en train de faire, là. Voilà, ça vient de me marquer à l'instant. Ah, mais voilà, tu l'as dit, Léa, dans le chat, comme les briques fleuries, exactement. oui, j'ai ban la personne qui faisait chier dans le chat, t'inquiète. Un peu bizarre. Hein. Elle peut être en haut, à gauche et en bas. Voilà, elle entoure comme ça. Non, on ne l'a pas. Elle peut aussi être tout autour. C'est ce qu'on a vu avec l'enceinte. Et puis, j'en ai oublié une. Elle peut aussi être donc à gauche et en bas comme ça. Ah, d'accord. Et les autres, non. Voilà. Donc, plein de clés. Il y en a 82. Alors, vous n'êtes pas obligé de les apprendre. Moi, je ne les connais pas toutes.
Mais je sais toutes les reconnaître. Enfin, je peux pas vous dresser une liste comme ça exhaustive, mais oui, je les connais toutes, je les ai étudiées, je sais toutes les reconnaître, je connais leur sens, etc. Donc, dans des kanji, je peux vous dire, bah oui, voilà, là j'ai effectivement la clé de l'homme, la clé du milieu, etc., etc. Et du coup, bah, je sais lire, je sais décortiquer, expliquer un kanji. Et ça, c'est très, 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 très important. Oui, je pense que c'est qu'on maîtrise bien ces clés, on fait d'énormes progrès. Le fait de les reconnaître visuellement. On progresse très vite et surtout avec beaucoup d'aisance dans l'étude des idéogrammes. Alors, maintenant, comment bien apprendre les kanji? Ou plus précisément, qu'est-ce que vous devez apprendre dans tous ces kanji, hein? Comment on apprend un kanji? On a vu qu'il y a plusieurs lectures. Est-ce que je dois apprendre toutes les lectures sino-japonaises, toutes les lectures purement japonaises, hein? On a vu que parfois, il y en avait plusieurs. Alors, voilà mes conseils. Déjà, les kanji que je vous donne dans mes cours sont tous des kanji importants, hein? Je ne vais jamais vous balancer des kanji dont vous n'aurez jamais rien à faire. Donc, ces kanji-là, si vous voulez les apprendre, c'est très bien, mais au moins, regardez-les. Voilà, analysez-les, sachez les reconnaître, ils sont importants. Mmh. Ensuite, si vous voulez apprendre vous-même, de vous-même, les idéogrammes, bah voilà, achetez le kanji tokana, dont je vous parle dans la vidéo suivante, et commencez à les apprendre dans l'ordre. Hein. Je vous expliquerai qu'ils sont classés par ordre d'importance. Vous les apprenez en commençant du premier, puis vous avancez, vous apprenez les kanji. Ils sont classés par ordre d'importance. En général, les plus premiers sont, ils sont assez faciles, donc c'est tant mieux. Bah, le premier, c'est Ito, c'est l'homme humain. Est-ce que l'on doit apprendre toutes les lectures pour un kanji donné? Alors, si vous êtes un grand passionné des kanji, que vous avez une mémoire excellente, ah oui, apprenez toutes les lectures purement japonaises, s'il y en a plusieurs, sino-japonaises, s'il y en a plusieurs, oui, parce que vous en aurez besoin, forcément, vous serez exhaustif dans votre apprentissage. Apprenez tout ça aussi avec des exemples, hein. Apprendre une lecture sino-japonaise, c'est bien, mais le mieux, bah, c'est d'apprendre un mot sino-japonais qui active cette lecture, hein. Je vous prends un exemple au hasard, par exemple... le feu, vous prenez la lecture sino-japonaise, c'est Ka. Bah, vous apprenez Kazan, le volcan, voilà, la montagne de feu. Et oui, ça nous permet d'apprendre des exemples, d'illustrer un peu ce qu'on apprend. C'est une très très bonne chose. Mais si vous ne vous sentez pas d'attaque pour apprendre tout ça, et c'est quelque chose que je comprendrais, hein, parce que faut pas se démotiver, attention. Beaucoup de choses à apprendre. Mon conseil, c'est vous apprenez un kanji, donc vous apprenez le dessin du kanji, vous apprenez le sens en français. Et vous apprenez uniquement la première lecture purement japonaise. Voilà, vous vous limitez à ça. Le reste viendra tout seul. Mmh. En fait, on verra que les lectures sino-japonaises, c'est pas à vous de les apprendre comme ça. En fait, vous les apprendrez tout automatiquement, sans vous en rendre compte, en voyant des mots de vocabulaire. Bah oui. Par exemple, moi, le kanji de blanc, j'apprends sa lecture purement japonaise, shiro. Le kanji de l'oiseau, j'apprends sa lecture purement japonaise, tori. Et puis un jour, j'apprends le mot « signe ». Et ben, je vois, ça s'écrit avec le kanji de blanc et de l'oiseau, et ça se prononce « hakucho ». Et ben, pouf ! En apprenant mon mot « signe », j'ai appris la lecture sino-japonaise de blanc, « haku », et de l'oiseau, « cho ». Donc, effectivement. Voilà, les lectures sino-japonaises, on les voit forcément en voyant des mots de vocabulaire. Donc, c'est pas forcément obligé de les apprendre de base, même si, bon, c'est très bien, c'est pas une obligation. Alors, par moment, on va avoir des pauses ou des allongements, vous savez, entre les mots combinés, donc les lectures sino-japonaises seront un peu altérées, mais plus vous verrez de mots, plus effectivement vous reconnaîtrez, ah bah oui, effectivement, ça, j'imagine que c'est la lecture sino-japonaise de tel kanji, donc effectivement, ça rentre tout seul. Moi, il y a plein de kanji dont j'ignore la lecture sino-japonaise, dont j'ignorais la lecture sino-japonaise, que j'ai réussi à apprendre bah, sans le vouloir en voyant, ah bah oui, tel mot, ah donc c'est ça la lecture sino-japonaise de ce kanji, d'accord, et oui, et ça se fait très 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 bien comme ça. Ah, c'est bien, j'aime le fait que ça se fasse tout seul. Pour finir, comme ça. Ce qui est très 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 important, c'est de bien les écrire, ces kanji, hein. Vraiment, la base de l'apprentissage des kanji, c'est de les écrire, pas informatiquement, on verra plus tard qu'on peut les écrire informatiquement, de les écrire avec un crayon, avec un stylo, avec un pinceau, ce que vous voulez, sur un support écrit, vous les écrivez sur les murs, n'importe où, vous les taguez où vous voulez, mais vous les écrivez, c'est important de bien les écrire, attention, pas de tag, c'est interdit. Voilà, c'est bien important parce que du coup, voilà, vous apprenez l'ordre des traits, vous apprenez le sens des traits, le nombre de traits, etc. Vous mémorisez les clés, effectivement. Enfin, il y a tout un processus dans la tête qui fait que ça va devenir vraiment un systématisme très, très, très bénéfique quant à l'apprentissage des kanji. Et ce qui se fait beaucoup, c'est les écrire dans sa main. Regardez, par exemple, voilà mon kanji, voilà, je l'écris dans ma main. Alors, j'ai pas de stylo, j'ai pas de feuille. Voilà, j'écris mes kanji dans ma main, comme ça. Put. Voilà, hop là. J'écris, voilà, on reconnaît un peu le nombre de traits, hein, on imagine, hein, bon, voilà. Et ça permet à n'importe quel moment de se dire, ah bah oui, voilà, ce kanji, comment je l'écris déjà? Comme ça, ah oui, voilà, effectivement, bon, et puis ça rentre bien. Et ça permet de réactiver,
Et de cette manière, l'apprentissage des kanji se passe d'une excellente manière. C'est très on bien. Peut répéter, mais bon, voilà. Très, non, ça se très, passe très, très, bien. Très, très, très bien. Il a dit pute, hein. Donc, je l'entends. Au début, ça paraît effrayant. Ça fait, voilà, il y a beaucoup de choses. C'est ouais. Mais dites-vous que, bon, chinois et japonais compris, je pense qu'il y a à peu près 2 milliards de personnes sur Terre qui utilisent les kanji. Si c'était vraiment infaisable, ouais, ben voilà. On ne serait pas à, je vais pas dire bêtise, un quart de la population mais mondiale. Mais oui, mais évidemment. C'est exactement ce que j'avais dit dans le premier cours de japonais. Voilà, hein, si c'était vraiment inutilisable, impossible à apprendre, bah, ce ne serait pas utilisé par autant de personnes. Ben oui, bien sûr. Donc, apprenez bien ça, regardez la vidéo plusieurs fois, prenez le temps, achetez le kanji tokana si vous voulez. Si c'est quelque chose qui se fait progressivement, hein, ça ne se fait pas directement, mais à terme, je vous assure que si on comprend bien comment est construit un kanji, l'apprentissage des kanji, ça se fait tout seul. C'est ce qui m'est arrivé, c'est comme ça que j'ai appris les kanji, et ça s'est fait comme ça. Trop bien. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Étonnamment, oui. C'était continuez très bien. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Bye. J'étais sûr que t'avais écrit Smash Bros dans ta main. J'ai pas voulu le dire pour dire une bêtise, mais j'étais sûr que t'avais écrit Smash Bros. Non, pas d'exercice, effectivement. Julien, j'ai besoin de ton avis. Bonjour. Sachant qu'il est 22h, tu m'as proposé un dernier cours qui va durer 20 minutes. Est-ce qu'on doit le garder pour la semaine prochaine, du coup? Ou alors on se le regarde quand même? En plus, c'est un cours... Alors, en plus, deuxième question, maintenant, c'est un cours sur le kanji et kana. Est-ce que c'est vraiment important que ce cours-là, je le diffuse comme ça en live, alors que personne actuellement n'a le livre, en fait? Donc personne ne va pouvoir utiliser le livre et voir comment ça marche un petit peu, donc je me doute que c'est pas un cours qu'on peut sauter, mais est-ce qu'on peut inviter les gens à le regarder chacun de leur côté quand ils auront le livre par exemple, ou alors est-ce qu'il est vraiment important? Même sans le livre, il est intéressant? Eh bien alors écoutez, les gens dans le chat, c'est vous qui les décidez, est-ce qu'on rallonge le cours de 20 minutes et on suit cette dernière leçon ensemble, et moi j'essaierai de voir un petit peu ce qui se passe et on va parler un petit peu du livre. Je pense que les gens ont l'air plutôt chauds en général. Ah, il y en a quand même qui disent la semaine prochaine. On continue, oui, non. Ah, c'est BTG. Ah, il y a beaucoup de... Aïe. Vous savez me parler. Bon, ceux qui en ont marre, vous pouvez vous arrêter là et vous aurez le cours dans la rediffusion YouTube que vous pourrez trouver cette semaine. Et sinon, on va se le faire maintenant. Je suis en forme, je suis chaud. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Julien Fontanier, le meilleur. Aujourd'hui, nous allons apprendre à nous servir du kanji tokana. Alors le kanji tokana, qu'est-ce que c'est? C'est ce livre bleu, c'est ce dictionnaire bleu, pour être exact. Et c'est juste la bible pour toute personne qui souhaiterait se lancer à fond dans l'apprentissage du japonais. Hein, plus précisément, bah, dans l'apprentissage des kanji, parce qu'il s'agit d'un dictionnaire de kanji. Alors, je vous donne les références, pour ceux que ça intéresse. Kanji et kana, alors moi je dis kanji tokana parce que bah, le e en japonais se dit to, puis que vous voyez, c'est aussi écrit en japonais. Kanji et kana, manuel et lexique des 2141 caractères officiels de l'écriture japonaise, suivi de caractères blablabla, par Wolfgang Hadamitsky et Pierre Durmus, et aussi Violaine Mochizuki. Et actuellement, on en est à la 5e édition, entièrement revue et complétée, blablabla. Donc voilà, 7e la dernière édition. Édition en date, c'est celle-ci, la 7, 5e. 7, moi, 7. J'ai aussi la 4e, hein, avec laquelle j'étudie depuis oulala, des années. J'ai la 7e. C'est pas 5e, vous la reconnaissez bien, il y a le petit texte en orange au-dessus, orangé un peu. Vous inquiétez pas de ce qu'il dit, c'est normal qu'il soit en retard, cette vidéo est sortie en 2016. J'ai acheté ce livre en 2020, donc il a eu le temps d'être mis à jour. Donc moi, j'ai la 7e. Donc, vous ne la manquez pas. Ça coûte... une quarantaine d'euros. Alors moi, la mienne, je l'ai eu, le mien, je l'ai eu à 38 euros. J'ai acheté ça en 2008. Quoi? Je me suis fait arnaquer. Celui-ci m'a coûté 43 euros. Je l'ai acheté il y a quelques semaines, là. 43, en général, c'est une quarantaine d'euros. Après, ouais, bon, chaque magasin ajuste les prix un peu comme il le veut. Faites attention, sur Internet, ça se trouve facilement au double du prix. On peut en avoir à 80 euros sur ce site. Achetez-le en librairie, vraiment, dans la vraie vie. Très honnête, du coup. Dans la vraie vie, prenez-le. Mais c'est parce que c'est un livre rare, en fait. C'est un livre que tous les étudiants en japonais d'université, d'école achètent. Et il n'y a pas énormément de stocks chaque année. Du coup, les stocks partent très vite, notamment en septembre, au moment de la rentrée. Donc, essayez d'en trouver...
Si jamais vous n'avez vraiment pas le choix, bah achetez sur internet, mais ce serait dommage de payer beaucoup plus cher que le prix de base. On n'en trouve pas de partout, il faut aller quand même dans des librairies spécialisées, alors soit en langue, soit encore plus en spécialisé japon. Alors moi, si vous voulez tout savoir, pour ce qui habite à Montpellier, je l'ai acheté à Gilbert Joseph, le grand magasin où j'achète tous mes mangas là-bas au 4ème étage. Bah, au 3ème étage, ils ont tous les livres comme ça, et il leur en restait qu'un seul. Mais vous pouvez toujours leur demander, après que ce soit la FNAC, que ce soit les magasins genre Cultura, que ce soit tout ce genre de magasins qui possèdent plein de livres, en fait, tu peux toujours demander à quelqu'un qui s'occupe de l'ordinateur, bonjour, est-ce que je peux le commander? Et eux, ils vont te le commander, ils le recevront dans une semaine, deux semaines, trois semaines, six mois, mais au moins tu le recevras. Mais ouais, voilà, faites attention à ce que vous achetez. Et vérifiez bien. Si jamais vous l'achetez, hein, j'ai un site personnel, faire attention. Hein. Moi, je le fais parce que je suis à fond dedans, mais personne n'est obligé de le faire. Vérifiez bien que ce soit la bonne édition, surtout, et qu'il coûte bien une quarantaine d'euros. Si vous l'achetez dans une librairie et qu'il va coûter 20 euros, c'est peut-être que c'est. Julien, il m'avait parlé qu'il y avait une version light un petit peu du livre et que ce sera pas la bonne, entre guillemets, quoi. Celui-ci, je l'ai acheté à. Alors, c'était à Lyon. Place Bellecour. Évidemment, vous le ferez quand le confinement sera levé. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je vous en supplie. C'était Décitre langue internationale. Donc c'était vraiment un magasin spécialisé dans les langues internationales. Celui-ci, je l'ai acheté à Junkudo à Paris. Donc c'est à Pyramide, c'est une librairie japonaise, pour le coup tenue par des japonais avec que des trucs japonais. Donc là, on est sûr de le trouver dedans. Il n'y a pas de souci. Attention à ne pas acheter juste l'index alphabétique. Alors, il existe une version alternative, hein, de ces livres qui a à peu près la même couverture, du coup c'est facile de se faire avoir, où c'est juste en fait un index avec une liste de mots qui sont utilisés dans le kanji tokana. Alors vous verrez, c'est un livre qui est beaucoup plus petit, qui fait presque juste le quart niveau épaisseur. Donc alors, bon, si vous avez un tout petit livre en main, ne le prenez pas. Si vous avez le dictionnaire, c'est un bon petit pavé. Il est plus gros que mon index, par exemple. Voilà, c'est le vrai kanji tokana. De toute façon, il suffit d'ouvrir. Si vous avez, si vous avez tous les caractères comme ça expliqués, vous avez le bon kanji tokana. Vous pouvez le prendre. Voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. Il n'est pas indispensable à l'apprentissage de la langue japonaise. Il n'est pas indispensable à la familiarisation et à l'apprentissage des kanji. Mais il est tellement excellent à tous les niveaux. C'est vraiment une bible, hein. Moi c'est vraiment ma bible. Il est tellement excellent que il vous sera d'une aide et de il vous sera vraiment d'une aide incroyable. Vous apportera quelque chose, un gros plus dans votre apprentissage du japonais. Cool. Alors bon, moi j'ai la version 4ème édition, d'ailleurs vous voyez, elle est un peu plus abîmée. Je vous raconte pas tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu avec ce livre, hein, vous avez pas envie de savoir. Je pense qu'elle est tout aussi bonne que la 5ème version. De temps en temps, le ministère de l'éducation japonais fait une mise à jour des kanji, ce qu'on appelle les kanji officiels, hein, les kanji que les japonais apprennent dans leur cursus d'écolier notamment. Dans la dernière version, il y en a à peu près 200 de plus que dans cette version-là, dont certains sont importants quand même, il faut le noter. Mais bon, si vous avez une ancienne version, ça vous sera quand même très utile. Moi, je la garde. D'ailleurs, j'y pense, ça peut s'acheter d'occasion, peut-être. Tu peux peut-être trouver le livre, quitte à l'avoir la 5ème ou 6ème édition, tu peux peut-être l'acheter d'occasion à une trentaine d'euros et quelques, non ? Je sais pas. Je sais pas, Julien, si jamais tu le sais, n'hésite pas à le dire dans le chat. Peut-être que tu t'y connais un peu dans le game de Kanji Tokana, un peu dans le... Regarde, c'est mon petit bébé, je lui fais des bisous, et etc. Et puis je vous passe les détails. Ok. Ok, tu fais des bisous. Alors, des bébés au... Je vais vous montrer du coup... un peu à quoi ça ressemble. On va voir en quoi il est super intéressant, ce livre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toute une première partie qui explique tout sur l'écriture japonaise. Hein. Alors, c'est ce qu'on a vu en fait dans mes premiers cours, hein, dans mes cours de japonais, les cours que vous avez pu suivre, hein, sur YouTube. On a l'utilisation des kana, on a la ponctuation, etc., etc. Alors ça, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. On a l'origine des kanji, donc comment ça s'est créé, etc., etc. Bon, je vais prendre l'autre. Je le connais un peu mieux. Voilà, je me sens... Ah voilà, c'est quand même mieux. oui, voilà, donc on a la ponctuation, on a notamment des petits tableaux de kana pour nous apprendre à bien tracer
nos kana, c'est très important. L'ordre des traits, c'est ce qu'on a déjà vu ensemble. On l'a vu, oui. Le tracé des kanji, c'est ce qu'on verra aussi, c'est ce qu'on a vu au cours précédent. Et du coup, toute une introduction. Alors, c'est intégralement rédigé en français. Hein, c'est un livre qui est entièrement fait pour les Français, qui est entièrement rédigé en français. Ouais. Donc, toute une introduction très très riche, dont je me suis d'ailleurs, hein, je ne le cache pas, beaucoup servi pour. Je m'en suis beaucoup inspiré pour faire mes cours. Parce que c'est ultra complet, c'est ultra exhaustif et c'est surtout très 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 bien expliqué. On a également une liste des clés. Alors les clés, vous en souvenez, c'est ce dont je vous ai parlé dans le précédent cours. Ce sont ces petites parties qui vont nous permettre de composer les kanji. Alors là, vous voyez, j'ai tout plein de clés qui sont listées, classées par nombre de traits. C'est très 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 bien fait. Et ça va nous permettre d'apprivoiser les kanji beaucoup plus efficacement, en fait, ces clés. Hein, ça nous permettra de mieux comprendre comment ils sont créés, de mieux comprendre comment ils sont organisés, pourquoi est-ce qu'il y en a qui se ressemblent, etc. Donc encore une fois, ça, c'est très, 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 très important. Et puis bien sûr, bah, le corps du livre, c'est ça, hein, c'est le dictionnaire de kanji. Alors bon, il y en a à peu près 2000, selon les éditions. Et puis vous voyez, donc pour chaque kanji, alors c'est ultra détaillé, on a déjà le kanji fait au pinceau, avec en petits chiffres, en petits nombres, hein, bah le nombre de traits, hein, et puis surtout l'ordre dans lequel il faut tracer les traits du kanji. Vous avez, alors tout ça, c'est des petites informations qui concernent notamment les clés des kanji. Vous avez écrit en majuscule la lecture sino-japonaise, en minuscule la lecture purement japonaise. Il faut savoir que le kanji to kana est un dictionnaire qui est fait pour être lu par des personnes qui ne connaissent pas les kana. Hein, ce n'est pas écrit en katakana, katakana, non, non, c'est fait pour être lisible, pour être abordable par tous. Du coup, on écrit en romaji, et donc bien tout ce qui est lecture sino-japonaise en majuscule, tout ce qui est lecture purement japonaise en minuscule, je vous en avais déjà parlé. Je fais une pause vite fait parce que j'ai regardé les clés là, et je me suis rendu compte que, alors comme il avait montré, la clé peut prendre l'entièreté, elle peut être juste à gauche, à droite, en haut, en bas, elle peut faire des angles, elle peut faire le tour. L'angle qui serait en haut à gauche, eh ben il donne comme exemple l'espèce de truc comme ça qu'on avait sur les cendres, souvenez-vous, et qui entoure le feu. Eh ben c'est une clé, cette espèce d'angle au-dessus du feu pour qui permet de dire cendre. Voilà, donc ce signe-là de tac-tac comme ça, l'angle en haut à gauche du coup, c'est une des 82 clés apparemment et je suis content de l'avoir reconnue. Voilà, c'était juste la petite parenthèse qui ne servait à rien. Pour chaque mot, alors quand il y en a, hein, plusieurs lectures purement japonaises, plusieurs lectures sino-japonaises, on a plein d'exemples à chaque kanji de mots composés utilisant ce kanji. Ça, c'est très important bah, pour voir hein, dans différents contextes bah, l'utilisation de ce kanji, hein, pour voir à peu près toutes les nuances de sens qu'on peut apporter à l'idée portée par l'idéogramme. Et puis, ce qui est ultra, ultra bien fait, c'est que vous voyez, tous les kanji, par exemple, tous les kanji qui ont composé... Alors, par exemple, je prends ce kanji. Ce kanji, on le retrouve dans tous ces mots de vocabulaire. Et les autres kanji auxquels ont été ajoutés ce kanji, bah, vous voyez, le numéro du kanji, ont été vus avant dans le livre. C'est-à-dire que si vous faites le livre, si vous apprenez, si vous étudiez les kanji dans l'ordre, hein, dans l'ordre qui a été établi par le dictionnaire, vous n'aurez jamais de kanji inconnu. C'est-à-dire que voilà, ici, tous les kanji qu'il y a ici été étudiés précédemment. Plus les clés. Ça permet du coup d'avoir effectivement une progression très intelligente, très très bien structurée dans l'apprentissage des kanji. C'est vraiment quelque chose de très très bien fait. C'est bien pensé. Je suis en train de faire une pub incroyable au livre, mais bon, c'est tellement la Bible ce truc que voilà. Bien sûr, les kanji les plus importants sont en premier, hein, ils sont classés par ordre d'importance, hein, ça n'a pas été fait au hasard. Donc au début, on a le kanji de l'homme, on a ensuite les nombres, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ensuite, on a quoi ? On a le soleil, on a la lune, on a plein de trucs le feu, l'eau. Comme ça très importants, le feu, l'eau, enfin, bon, tous ces kanji, la base hein, qui vont nous permettre de faire plein de trucs en japonais. Et puis, bah, plus on avance, plus on va avoir de kanji compliqués, mais pas inutilisés pour autant. Hein. Là, tous ces 2000 kanji sont utilisés au quotidien dans la langue japonaise. Mais avec les clés, c'est facile. Chacun, enfin, facile. Mais on peut tous les croiser sans avoir à se poser de questions. Donc voilà, que ce soit par curiosité, que ce soit pour vouloir étudier en détail les kanji, ou alors que ce soit tout simplement par passion pour la calligraphie. Hein. Vous achetez vos dictionnaires de kanji, vous avez
l'ordre de tracer des traits de chaque kanji, vous vous amusez à calligraphier, par exemple, les kanji, vous aimez bien le chat, vous calligraphiez le kanji du chat, enfin, ce genre de truc. Hein. Ce dictionnaire est vraiment très très bien fait et va pouvoir passionner tous ceux qui s'intéressent au kanji. Alors, ce que je vous propose, c'est que on fasse une petite utilisation, quelques exemples d'utilisation, notamment des lexiques qui est à la fin du kanji tokana, alors dont je ne vous ai pas encore parlé. On a trois lexiques, hein, regardez, on a trois index, pardon. On a un index par clé. Mm. Donc tous les kanji sont classés ici, vous voyez, en tout petit, par clé. Donc ils sont classés, les clés, hein, c'est ce qu'on a vu, hein, qu'on retrouve souvent dans certains kanji. Donc ils sont classés selon les clés qui composent ces kanji. On a un second index où les kanji sont classés par nombre de traits. Donc on a d'abord, voilà, tous les kanji avec un trait, tous les kanji avec deux traits, etc, etc, etc. Je crois que le plus, dans mon dictionnaire, celui qu'on a le plus, c'est 23 traits. Voilà, c'est celui-ci. Celui à 23 traits, un sacré, sacré bestiau. Et ensuite, on a un index des kanji classés par lecture. Et ça, c'est ce qui, je pense, en premier, va vous intéresser le plus. Vous avez donc tous les kanji classés par lecture dans l'ordre alphabétique latin. Donc, on n'est pas dans l'ordre alphabétique 29. Japonais. Ça commence A, B, C, etc. 29 traits, je l'ai, là, rien à un bien, seul. Vous êtes en territoire connu. Putain, le bordel. Les lectures purement et sino-japonaises sont mélangées. Donc, vous voyez bien ici, voilà, j'ai des mots en majuscules, j'ai des mots en minuscules, etc. Tout est mélangé, c'est pas prise de tête, on les différencie bien, on les reconnaît bien. Et ça permet donc, bah voilà, de retrouver un kanji, un mot par exemple qu'on a entendu. On récupère, voilà, par exemple, ce kanji, ok, c'est celui-ci. Du coup, je vais le chercher, j'ai le numéro, hop, je tombe dessus. Et là, bah du coup, j'ai toutes les informations, comment est-ce qu'on trace le kanji, les sens, les différentes lectures, les mots de vocabulaire dans lesquels il est employé, bref, c'est super bien fait. Du coup, voilà, alors, je vous propose que l'on fasse trois exemples pour utiliser chacun de ces trois index. Au début, c'est pas forcément très très évident. Donc, on va se familiariser avec ces index. Vous allez voir, c'est pas non plus très sorcier. Alors, on va passer sur trois kanji qu'on va faire semblant de pas connaître. Alors, peut-être que vous ne les connaissez pas encore. Bon, moi, je les connais. Et puis, on va du coup les trouver dans notre dictionnaire de kanji. Hein. J'aimerais vous montrer à quel point ce truc, c'est hyper pratique quand bah, on est face à des trucs qu'on ne connaît pas. Ça nous donne toutes les informations et c'est facile à retrouver. Premier kanji. Alors, voilà, je vous mets ce kanji. Ah, il me dit quelque chose, lui. Mais il est derrière. Il vous parle, je ne sais pas. Alors, il est j'espère derrière. Qu'il vous parle un petit peu parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis le début des cours, il est derrière moi ici. Hein, à gauche, à droite pour vous. Voilà, ce kanji, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, on ne connaît pas la lecture, on ne connaît pas le sens. On aimerait en apprendre un peu plus. Il est formé de l'eau. Comment on va faire ? On va déjà étudier, on va déjà utiliser le dictionnaire grâce à l'index par clé. Voilà, dans ce kanji, bon, on remarque qu'il est composé de deux parties, plus ou moins, bon, dont certaines peuvent vous parler. Alors, celle du bas, ça ressemble au kanji de l'eau, oui, que vous avez déjà vu, que peut-être vous connaissez. Celle du haut, ça vous parle aussi peut-être, on l'a déjà mentionné, hein, c'est le kanji de blanc, Shiro. Ah putain, oui. Bon, voilà, on a mis les deux en même temps. Alors, est-ce que ça veut dire quoi, de l'eau blanche? Bon, pour l'instant, on cherche pas étymologiquement. Hein. C'est pas possible d'étudier les kanji comme ça sur l'étymologie. Ça marche que très peu, finalement, hein, d'étudier comme ça. Mais voilà, j'ai cette clé. Alors, je vais me baser sur la clé du bas, la clé de l'eau que je connais bien. Alors, voilà, je prends mon dictionnaire avec la page, la liste des clés. Alors, la clé de l'eau, il y a combien de... Il y a combien de traits? Il y a 1, 2, 3. Voilà, je fais dans ma main, comme je vous ai appris à faire. Pas bête de faire trois le nombre de traits, oui. Du coup, voilà. 3 traits. Ah bah, elle est là. Voilà, alors, je la vois effectivement en petit. Hein. C'est comme ça qu'elle est dans mon kanji. Alors, c'est la 3A. Hein. Je vois qu'elle peut avoir trois formes différentes. C'est la clé 3A. Okay. Putain, alors, je l'ai je pas. Je prends mon dictionnaire. Merde. Dans l'index... Alors, non, c'est pas celui-ci. C'est l'index... Où est-ce qu'il est? Voilà, par clé. Ok. Et donc, je vais... à partir de la 3A. Donc c'est dans l'ordre, hein, 1, 2, 3, 4, 5, et puis après, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, donc là, je vais 3A. Ok, j'y suis. Et là, du coup, bah, j'ai tous les kanji, alors il y en a quand même un petit paquet, qui s'écrivent avec la clé de l'eau, la clé 3A. Alors du coup, je cherche le mien, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il va être? Ah, il est là.
1192 sur mon dictionnaire. Alors, ah, mais il avait une autre forme, c'est pour ça. J'ai trouvé mon kanji. Je vais le chercher. 1100, combien ils m'ont dit 92? 1192. Voilà, j'y suis. Ah, j'ai trouvé mon kanji. Et là, du coup, j'ai toutes les informations sur ce kanji. Alors, je vois que, bon, en lecture purement japonaise, il se prononce Izumi. En lecture sino-japonaise, Sen. Ça veut dire source, fontaine. Bon, ah bah je comprends pourquoi il y a eau et blanc. Voilà, l'eau blanche, la fontaine, la source. D'accord, c'est donc ça. J'ai les informations sur les clés, j'ai le nombre de traits. En tout, il y en a 9. Donc je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, je sais comment le tracer. Et puis, bah, j'ai tous les mots qui sont utilisés avec ce kanji. Par exemple, ah bah tiens, station thermale, ça se dit onsen. Ah bah oui, vous connaissez peut-être le mot onsen. Onsen, bah le sen, d'accord, c'est la fontaine. Donc, alors, moi, j'aimerais en apprendre un peu plus sur ce on, du coup, qui fait onsen. Alors, je vois ici, hein, c'est le kanji 634. Du coup, 634. Ah, me voilà. Alors, on, effectivement, lecture sino-japonaise, ça veut dire chaud. Hein, en purement japonais, c'est atatakai. D'accord, donc effectivement, hein, une source chaude, onsen, je m'y retrouve. Donc vous comprenez bien comment, en partant d'un kanji, on peut en arriver sur un autre, on comprend plein de trucs, etc. Super pratique. On va maintenant utiliser l'index par nombre de traits. Alors, on passe à l'autre kanji, qui est à ma droite, qui est à votre gauche sur l'écran. Je vous l'affiche. Bon, ici, on va utiliser le nombre de traits. On peut compter le nombre de traits de ce kanji. Alors, on voit, il y en a combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Pas compliqué à compter pour ce kanji là. Du coup, je prends mon index. Alors, ouais, je suis perdu, désolé. Nombre de traits, 9 traits, j'ai dit. Et du coup, eh ben, je vais le chercher ce kanji là. Bon, il faut avoir l'œil. Hein. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Kanji 462. Ok, alors du coup. T'es trop rapide, Julien. J'avance. Où est-ce qu'il est, mon petit kanji? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ah bah oui, Aki, c'est l'automne. D'accord, l'automne. Lecture sino-japonaise, Shu. Bah très bien. Donc voilà, j'ai toutes les informations. Puis, je vois que c'est génial, il est classé avec les autres saisons. Fuyu, l'hiver. Haru, le printemps. Natsu, été. Et oui, les kanji sont classés par rapport. Hein. En général, voilà, quand vous avez des trucs... Juste après, j'ai le kanji qui veut dire une saison. Donc c'est quand même fait de manière à ce que ce soit logique, à ce que ce soit... C'est très très bien pensé. Ce truc a été vraiment fait très 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 intelligemment. Ah, je l'essaye. Donc j'ai accès à toutes les informations sur le kanji. 410. Et puis, on va prendre un autre kanji. Alors cette fois, on va passer par lecture. Imaginons que j'entends parler d'un mot. Voilà, par exemple, j'ai une japonaise qui est à côté de moi et qui arrête pas de me parler de Yuki. Alors Yuki. Alors, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça s'écrit. Par contre... J'ai la lecture. Du coup, je prends mon dictionnaire, Yuki, dans l'index par lecture. Voilà. Yuki. Alors, Yuki. Alors, Yuki. D'accord. Alors, le kanji ressemble à ça. C'est le 949 dans mon dictionnaire. Alors, du coup, j'avance. Hein, il est possible que le numéro des kanji soit différent selon une version du kanji tokana. Je confirme. Donc, ne vous fiez pas au numéro. Yuki, 979. 949, Yuki, ah c'est la neige, d'accord, lecture sino-japonaise, Setsu, neige, eh oui d'accord, la neige, alors bon, le kanji on le connaît, hein, vous l'avez déjà vu notamment dans le cours de vocabulaire sur mes premiers mots en kanji, et du coup j'ai toutes les informations, on peut faire tel mot, enfin bref, c'est ultra pratique, quand je vous dis que c'est une bible, je pèse mes mots, voilà, donc kanji tokana, c'est ultra pratique j'avoue, pas indispensable, mais... ultra important pour qui veut se lancer vraiment à fond, passionnément, sérieusement, tout ça, dans l'apprentissage de la langue japonaise. Chers élèves, j'espère que ce cours d'initiation au kanji tokana vous a plu. Oui, ça m'a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de son. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous. Le sourire. Au prochain cours. Ah, il y a eu un début de sourire. Eh bien écoutez, c'est sur ceci que nous allons terminer notre cours de japonais. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi je l'ai trouvé
trop bien. On a rallongé un petit peu, mais oui, c'est fini. Désolé, mais vous pouvez dire au revoir à Julien puisqu'il était avec nous dans le chat pendant toute la soirée. Donc bravo et merci Julien. Merci beaucoup pour ces cours de japonais. Je ne te le dirai jamais assez, c'est incroyable. Rediffusion de YouTube, oui, je vous dis au revoir. Vous pouvez dire au revoir à YouTube. À bientôt la rediffusion YouTube. Des bisous. Et à la semaine prochaine pour nos cours de japonais. Ciao, ciao. Essayez d'être là en live. C'est cool aussi d'avoir Julien dans le chat. On peut lui poser des questions. Bye.